Thank you Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Pour Roumania, le numéro 71. Je suis Cody McLeod et je suis heureux de vous retrouver pour une émission un peu particulière parce qu'on va parler de Dragon Gator. Et ça, ça fait plaisir avec le show Dead or Alive 2022. Mais on a un peu de news et comme on parle de news et on va parler entre autres de New Japan, j'ai demandé à Max s'il pouvait être là. Et il m'a dit oui. Donc bienvenue à toi et re-bienvenue à toi. Et ça fait toujours un plaisir de te voir avec nous. Salut Max, comment ça va bah ça va, impeccable, impeccable. Bah ouais, bah ouais. Et, et le celui qui est en dessous, vous ne connaissez pas encore son visage, mais je pense que vous le connaissez si vous suivez la chaîne des rebuts du catch. Il est venu quelques fois, enfin une fois surtout, pour parler Dragon Gate il y a un an et demi je crois, et on l'a entendu de temps en temps euh, sur les, les mercredis, ou si vous êtes sur le Discord, vous le connaissez, c'est tout simplement Ave Oh, salut Ave, comment ça va ah bah ton micro ah. est coupé. Ah bah <laughs> génial, ça, ça c'est Masterclass, Masterclass pour débuter c'est génial. Ça, vous. ça va impeccable, 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 ça fait plaisir de t'avoir. Euh, parce que euh, voilà, euh, comme je, je l'avais un peu annoncé quand tsarou était parti, on n'était pas du tout... Enfin moi j'ai jamais été fermé d'avoir des nouvelles personnes. Et l'avantage avec toi Ave c'est que tu regardes peut-être des trucs que nous on regarde un peu moins. Euh, et et c'est pour ça que, que, à partir de maintenant, quand il y aura des émissions sur Dragon Gate, entre autres, et peut-être d'autres shows, mais en tout cas, voilà, tu fais partie un peu de l'équipe en tant que euh, complément, euh, tout simplement, pour parler d'autres choses. Donc, euh, ça fait plaisir de t'avoir avec nous et, et bienvenue -ce à toi. Je... Est-ce que tu sous-entendrais que je regarde trop de catch? Un peu, mais c'est bien aussi, il en faut. <laughs> il en faut, il en faut, effectivement. Il n'y a pas besoin de, de te présenter. Je pense que les gens, qui les, les auditeurs des rebuts, te connaissent ou s'ils te connaissent pas, en tout cas, euh, tu regardes énormément euh, Dragon Gate et euh, ouais. 55 autres promotions. <laughs> <Voilà>. Exactement, C'est exactement. <laughs> ça. Tout ce qui ouais. se passe au Japon, je pense que tu as déjà moins regardé, je pense. Euh, ce que je peux regarder, ouais. Généralement, je regarde. Ouais, bah, bon, donc, euh, donc voilà. Euh, mais comme je l'ai dit, avant de parler de Dragon Gate Dead, Dead or Alive euh, ce soir, on va faire les news parce qu'il y a des petites news qui se sont passées, euh, dont la carte de Cyber Fight. Mais avant de parler de ça, on va parler du. Euh, Gros sujet actuel, on était un peu obligé d'en parler, euh, même si au final, clairement, euh, bah, je, on n'a pas tant que ça de choses à dire parce que, euh, clairement, euh, pour le moment, c'est que des on-dit, des machins, il n'y a rien de, de sûr à 100%, mais bon voilà, on est un peu obligé d'en parler. Et donc, bah, c'est tout simplement le cas euh, Kota Ibushi. Euh, et euh, c'est pour ça que je voulais que Max soit là ce soir pour euh, qu'il puisse euh, dire son mot aussi euh, Parce que du coup il euh, y a eu des, des tweets de Kota Ibushi qui a été dit Alors je vais tout simplement euh, lire euh, ce que l'Ariaté, donc Trafalgar, a fait euh, sur son compte Twitter Je vous inviterai à aller voir euh, et à suivre euh, le compte de l'Ariaté Qui fait de plus en plus de trucs par rapport au... Au Japon et entre autres par, par exemple au Best of Super Junior où il a fait un, un calendrier euh, total avec tous les matchs et tout ça. Je crois qu'on peut même l'imprimer, mettre ses propres points etc. Ouais, donc, euh, donc surtout bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Ariate. <laughs> Euh, donc, euh, donc voilà, euh, et, puis, euh, et puis surtout à soutenir euh, Trafalgar. Et donc du coup je vais lire ce qu'il a, ce, ce qu a écrit sur euh, Kotaibushi, et comme ça vous allez comprendre si vous n'êtes pas au courant de ce, qu -ce qui s'est passé, ça sera beaucoup plus simple euh, que si c'est moi qui vous le raconte, euh, parce que je pense que je vais peut-être dire des bêtises. Donc au moins on va lire ce que Trafalgar a fait, et puis comme ça au moins ça sera mieux. Euh, avant de commencer, alors il a mis un, un petit attention. Hein, parce que c'est important de le dire, parce que euh, ce, ce qui a actuellement ce dossier est clairement complexe et les informations sont donc à prendre avec prudence et précaution. En, entre les traductions compliquées, les informations lâchées de manière brute et pouvant manquer de contexte, il est important de mettre un avertissement cette histoire est épineuse et de nouvelles avancées dans cette histoire devraient voir le jour dans un avenir proche. Euh, donc, l'histoire de Kota Ibushi. Donc l'histoire commencerait en mars 2022, Kota Ibushi s'est rendu à un show de JTO sans avoir eu la permission de New Japan Pro Wrestling. Kikuchi, qui est le booker et responsable des relations talents, euh, Déjà pour le coup, j'étais même pas au courant que c'était Kikuchi. Je pensais que c'était Gedo. <laughs> que... Apparemment, d'après ce que j'ai lu, euh, enfin, d'après ce, ce que moi j'avais lu, c'est que c'est Gedo apparemment a perdu le booking en fait. D'accord. On, on lui a retiré apparemment. D'accord, ouais. ok. Euh, donc euh, Kikuchi n'aurait pas apprécié et aurait menacé de mettre fin au contrat de Kotaibushi. Ce à quoi Kota Ibushi a dit qu'il accepterait de quitter la compagnie parce qu'il n'apprécie pas certaines choses euh, euh, ayant eu lieu chez New Japan. Ibushi déclare que la compagnie voulait le forcer à revenir en décembre dernier, seulement deux mois après sa blessure lors de la finale du D1 Climax. Donc euh, il voulait qu'il voulait qu revienne sûrement pour un match à Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom, bien sûr. J'imagine que c'est ça. Alors qu'il n'était toujours pas apte à reprendre et s'est senti offensé. Donc il a dit ça sur Twitter. Il, donc Kote euh, en voudrait notamment aux cheater guns, euh, Takamishinoku et Tachi, ainsi qu'à Kikuchi. Il leur reproche des conduites toxiques et de harcèlement moral dans les vestiaires de la compagnie. Euh, les cheater guns fait référence au fait que Taishi aurait trompé sa femme, chose excessivement mal vue dans les coutumes japonaises. Euh, à noter que, on, on en a parlé en off avec AV Max, mais euh, Takami Shinoku euh, avait la Kentai Dojo avant, et donc a dû, il s'est fait totalement virer de sa propre promotion, entre guillemets, et a créé la Just Tap Out euh, peu de temps après, suite à des affaires de ce style-là. Il aurait trompé sa femme, du coup c'est pour ça qu'il avait été mis de côté, et clairement, il faut l'avouer que son retour chez New Japan, ça, à Takami Shinoku, ça a été un... Une punition, parce qu'il s'est fait casser la gueule pendant tous ces matchs, quoi. Donc, euh, donc entre guillemets, voilà. Euh, Kota Ibushi partage des extraits de discussion avec Kikuchi, où on peut y lire qu'après avoir menacé de mettre fin à son contrat, ce dernier aurait rétracté sa menace. Ibushi dit alors qu'il va parler au supérieur, Gedo. Kikuchi s'excuse ensuite, puis Ibushi répond que Gedo lui a dit que son apparition à GTO ne l'avait pas dérangé. Kotaibushi déclare ensuite qu'il ne veut plus être dans un endroit aussi irrationnel et qu'un jour il dénoncera publiquement les comportements toxiques de, des personnes chez New Japan et TV Asahi. Euh, Voice of the Wrestling des que aurait reçu un ultimatum pour catcher à Dominion, sinon quoi, il sera licencié. Et Trafalgar rajoute, de mon côté, je n'ai rien vu qui confirme ces dires. Donc voilà, l'histoire de Kotaibushi, euh, qu'est-ce que t'en penses Max Est-ce que t'as une réaction du coup bah, ça fait beaucoup beaucoup de choses, euh, effectivement. Euh, moi, je m'attendais à ce qu'il revienne pour défier Okada euh, ouais. pour pour Dominion, ce qui n'a pas eu lieu. Mm. Je me suis dit qu'il était sûrement toujours blessé, donc il y a sûrement d'autres euh, problématiques. Ouais. Euh, C'est quand même pas, pas bien pas bien ce qu'on lit, pas, ouais. pas une très bonne nouvelle euh, que ce soit pour le catch ou Ibushi ou la NJP. Mm. Euh, après Kikuchi, moi, je ne je, voilà, je connais pas très bien euh, le gars. Cinq c'est un an, h 14 junior, je crois. Ouais, mais euh, voilà, je sais pas trop vraiment euh, la personnalité du bonhomme, etc. Ouais. Après les histoires de euh, toxicité dans dans les vestiaires, de harcèlement, ouais, voilà, ouais. ça, c'est hélas, ça peut être totalement vrai. Hein. On le sait que dans les vestiaires de catch, c'est pas forcément toujours très sain. Hein ça, ouais, je suis bien placé pour le, ah, ah, <laughs> en France yeah, c'est le cas. <laughs> alors, oh, je viens sais. de taper ah. uh, Kikuchi sur catch match. Ouais. Euh, ai... Alors, alors il y, y, y a Atsushi Kikuchi, Tsuyoshi Kikuchi, Yuto Kikuchi. Alors, alors je sais que c'est pas Yuto Kikuchi parce que c'est un catcher. Euh de sac pro. Euh, les deux autres, je sais pas qui c'est. Donc ça va être peut-être un des deux. Je sais plus son prénom. Je l'ai vu tout à l'heure. Euh... Ça va sûrement être Toshi euh, parce que c'est celui qui doit avoir le plus d'expérience. Je crois qu'il est entraîné par Jumbo Tsuruta. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que il a fait de la le Japan euh, DDT. Il a ouais, été un peu. Partout, il a fait Noah aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Vas-y, reprend Max. Et donc voilà, c'est pas c'est pas euh, c'est pas ouf. Alors est-ce qu'il est encore blessé ou pas ça, On ne sait pas. Il le dit pas dans l'histoire. Ouais. Effectivement, s'ils si ont essayé de le faire recatcher en décembre alors qu'il était blessé, c'est absolument débile et il a bien raison de gueuler. Mm. Là, ils lui mettent un ultimatum pour Dominion. C'est -ce enfin, d'après Voice il... of ouais, Wrestling. Voilà. Hein, je parle alors... du principe que ce qui est dit est vrai, ouais. bien entendu. Ouais. Si c'est bien le cas, il ne dit pas qu'il est blessé cette fois. Ouais. Ce n'est voilà, pas dans la discussion comme euh, il a parlé pour décembre. Euh, donc là à mon avis s'il ne veut pas c'est pas une question de blessure mais bien une question de mentalité ou de moralité où il a pas, il a pas très envie c'est ouais c'est pas c'est un peu spécial là. Ouais. moi il y a certains trucs que je comprends pas aussi c'est que alors on parle qu'il a fait une apparition à JTO JTO euh, oui. qui est la promotion de Takamishinoku Taka. et s'il a des problèmes avec Takamishinoku et Tachi, euh, Tachi est aussi un je dirais pas un régulier mais on l'a vu plusieurs fois tu tu pourras me confirmer euh, ave mais on l'a vu quelques on a vu fois on l'a vu au dernier show là il euh, y a eu, euh, ouais. on, on, on a eu je crois que c'était un show qui était sur les Japan World en pay-per-view ouais c'était un show de GTO mais je crois que c'était je sais si c'était c'était un des avec avec Jun Kasai Taishi Desperado et je sais plus qui ouais OK ouais, ouais mais oui euh, voilà enfin, a, enfin, euh, généralement c'est tous les tous les catchers généralement de Suzuki-gun sont sont ouais. assez sont assez récurrents là-bas ouais. ouais donc voilà donc c'est pour ça que je comprends pas le, le fait que bon euh, encore une fois je, on réagit à ce qui est dit mais dans l'idée s'il a des problèmes avec Takamichi Nukui Itachi pourquoi il s'est pointé à GTO ça je comprends pas, le, le, pas sens. Le, le principe ça fait pas trop de sens après là dessus c'est pas évident à avoir un avis euh, moi je c'est clair et net que si hein, si doit quitter New Japan parce qu'il se sent pas à l'aise il euh, y aura plein d'autres promotions qui vont qui vont, qui vont qui vont faire en sorte qu'il soit à l'aise je pense qu'il n'y aura pas de problème il... ouais vas-y tu mets freelanceur, euh, c'est pas tout, hein. il va ouais. à la BDT, fin il revient faire un coucou à l'addictif, euh... hmm. c'est ouf. Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis bah même... après, euh... oui, j'allais dire même, enfin euh, il y a pl... toutes les promotions euh, voudraient l'avoir, donc peu importe bien en sûr. fait. Les euh... tu imagines on a un petit run aux US comme ça en freelancer. Ouais, en, bien en, en sûr, partout, vous... hein. Ce serait ouf. Bah, honnêtement, on sait l'amitié qu'il a avec Omega. Ouais. Il euh, y a quand même de grandes chances que s'il se libère, il a chez Olympique, hein. C'est clair. Après peut-être <laughs> pas. En... <laughs> En Bloqué ou quoi que ce soit, mmh. de toute façon, ils sont très peu bloqués, hein, ouais. on va pas se mentir, surtout les gros noms. Mais honnêtement, je serais très étonné qu'il n'y aille pas. Ouais. Vraiment très étonné. On sait que en, bah, après le Cruiserweight classique, il a quand même beaucoup hésité à signer chez VVE. Ouais. Donc il avait quand même aussi cette envie-là, je pense, de faire quelque chose aux États-Unis. Il a quand même préféré aller, aller chez NJP. Ouais. Donc euh, c'est peut-être aussi pour lui le moment d'y aller. Après, il a déjà 40 ans. Hein. Ouais. Enfin, ou, je sais pas si Et... c'est 40 ans ou pas loin. Un truc comme ça, ouais s'il veut faire un run aussi intéressant chez aux US, faut faut pas tarder ça. parce que sinon après c'est a... bon il pourra être euh, pour être euh, Rookie chez chez Noa c'est bon ouais. c'est ça après il y a Noah mais noah <laughs> c'est trop jeune encore donc ça sert à rien. Ouais, évidemment, ouais. <laughs> après quand 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 il avait signé chez New Japan alors ils avaient annoncé ça comme un contrat à vie alors bon bien sûr ça n'existe oui, pas mais ils avaient ah, annoncé ça comme ça bah c'est un CD trouve... je sais pas comment ça marche au Japon ouais. mais c'est signé un CD le mec il démissionne on revoir ouais 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 mais... Je ne sais pas comment ça marche. Bah, là, je pense qu'il peut démissionner de toute façon. Enfin, dans l'idée. Euh... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, euh, si tu parles d'un CDD par exemple, mm. dans le terme français, tu peux difficilement te démissionner d'un CDD par exemple. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Contrat, tu dois aller au bout sinon tu ouais, payes. Ouais. Ouais. Mais souvent, c'est euh, des contrats genre de 3-4 ans. Enfin, euh, voilà, mm. Dans le oui, enfin, oui, en cadre comme ça. bien sûr. Mais euh, euh, vas-y. A... Ce, celui d'Omega, il devait, je crois renouveler euh, une fois par an, je crois. Ouais ça dépend des 4 Ça dépend des Mais lui après peut-être qu'il a été. Enfin moi je trouve que son booking depuis qu'il a signé officiellement, il est pas il est si pas ouf bon. que ça. Hein. Mmh. Et, non, il... il a galéré, galéré, galéré pour avoir euh, le titre etc. À chaque fois qu'il a le titre, il perd très vite. Ouais. Oh, L'année où, il... hein. où ils unifient les titres et qu'ils gagnent pas, franchement c'est. Enfin là ouais. je me dis c'est bon c'est terminé quoi. Ouais. <laughs> c'est foutu quoi. Mmh. Donc, c'est pour ça que je peux comprendre son. Il est peut-être dégoûté de son booking aussi. Enfin, il y a plein de trucs qui tournent en rond. Il y a sûrement plein de facteurs. Il y a, il y a plein de facteurs. C'est pour ça que ça sera intéressant de suivre la suite de cette histoire. Euh, dans tous les cas, si jamais il doit quitter New Japan. Euh, J'ai vu des gens dire c'est un séisme euh, par rapport à, au catch japonais et tout ça, parce qu'il y a des trucs de. de, de comment ils appellent ça De harcèlement moral et tout. Euh, le Japon, c'est pas clean. Il faut être. Faut être euh... Franchement, euh, nous, on est tous passionnés de catch japonais. C'est bien un endroit où. Enfin, c'est partout pareil. Hein, aux États-Unis, France, Mexique. Mexique, c'est pas clean du tout. Non, <laughs> ouais. le Mexique en Mexique, s'en fout aussi. Hein. Ils sont là, Le dernier show euh, de, de, de The Crash. De, de the crash. Ouais. Ils, ils ont bouclé euh, Marty Skur et Chris Banks, ils les ont mis en équipe. Justement. Ouais, en équipe, ouais, ouais. ouais. Enfin, franchement, non, c'était Face. Quoi. Ouais, j'imagine. Ouais, ils <laughs> affrontaient, ils affrontaient, je crois, je sais plus. Alors, il y avait l'Isa de Rado en face et il a, refusé. il avait fait un tweet quoi, comme mmh. disant, enfin, il a... Il, a... il a refusé, ouais. Ouais. Mais du coup, euh, c'est ça, que... bah, ouais, ouais, ouais. ça le truc, c'est que, bah ouais. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais c'est ça le truc, c'est que le catch est pas clean et puis quand tu vois ce qui se passe chez Noah avec Michael Elgin et tout ça. Enfin, euh, je pense qu'il y a des trucs qu'on qu n'est pas au courant au Japon et que si un jour on l'apprend, on serait un peu, sera peu deg quoi. Mais euh, faut, faut, faut se mettre dans l'idée que c'est pas clean clean non plus. Quoi. Donc, La carte euh... de Firefox Festival, attention, il y a un X. Ça, ça se trouve, ça va être Marty Scoeur qui va sortir du chapeau. Vous allez voir, ça va être beau. Je hein. <laughs> pense <On> <laughs> pas quand même. Non, mais... on va éviter. Ouais. Peut-être David Starr. Parce elle, en l anime, l anime, euh... le retour en... de Joy Ryan Exactement. <laughs> Euh, euh, canceled, il y en a beaucoup qui peuvent il revenir au Japon. Hein. Il ouais, y en a beaucoup. Ouais. Non, non, mais on, on verra, en tout cas. Euh, juste, je vois un commentaire de, de Jax, euh, euh, qui est un, un des auditeurs des rebuts assez réguliers aussi. Je vois que c'est assez intéressant. Il dit « Après Kikuchi, c'est pas la première fois qu'il a des soucis. Que Koto le dit, c'est pas une si mauvaise chose. Puis les pressions morales de Kikuchi, c'est quand même chaud. En effet, les trades pas faciles. Bon, » voilà. Mais euh, d'après ce qu'il dit, Kikuchi a déjà eu des histoires. Moi, j'avoue, j'ai aucune idée. J'avais... Après, euh, si, comme dit Hav, Kikuchi a pris de l'importance dernièrement, est-ce qu'il n'a pas aussi pris le, un peu le melon pépère, à, comme euh, la partie où il dit euh, qu'il l'aurait apparemment menacé de mettre fin à son contrat et ouais. il est revenu en arrière quand. Euh, quand euh, bah, Ibushi on a parlé à Guido entre guillemets. Ouais, ouais. Euh, tu te dis peut-être aussi que il a un peu, un peu pris le melon et que du coup, ils se sent un peu plus et puis mmh. il va un peu au-delà de, de ce qu'il devrait faire. Ça, c'est possible aussi. Hein. Toute ouais. personne n'est pas faite pour avoir euh, beaucoup de responsabilités. C'est hein. clair. Ça, c'est clair. tu -ce -ce as un dernier mot là-dessus hein Non, bah enfin, c'est déjà fond quoi. Enfin, je veux dire, euh, bon, euh, euh, le fin, déjà, enfin, le le fait. Euh, le comment dire euh, le fait d'essayer de, de cancel quelqu'un enfin qu'attrouvent sa femme enfin je trouve que ça ça ne regarde pas comme truc enfin je, je, je trouve ça fou quand même enfin qu'au Japon que, que ouais ça ne que... serait pas que ça ouais, un un pas euh, canceled, même, il dit qu'il leur reproche des conduites toxiques ouais. et du harcèlement moral dans le vestiaire donc mmh. pas as une coup, les, coup, app apparemment femme. il aurait l'une des raisons pourquoi il s'est fait il s'est fait virer de New Japan et de, et de... De Kenta Dojo, c'est parce qu'il avait apparemment harcelé sexuellement une femme. Enfin, ouais, ouais, une ouais. femme qui voulait apparemment. Ouais. Euh... Donc euh, voilà, a... c'est pas que, à mon avis, oui, comme il dit, euh, au Japon, c'est mal vu. Ouais. Sûrement, ouais dans les autres pays, c'est pas, super, ouais, pas plus, super bien vu hein. non plus. Ouais. <laughs> ouais. Non, mais, mais euh, après, si il voilà, y, a, y a autre chose derrière. C'est ça, ça c'est ça. Ça, ça. Ça, trou... ça. Si ça se trouve, on se fait worker à la gueule de, de, depuis le départ. Putain. Non, je pense, je pense pas <laughs> sur ce genre de truc. C'est trop ça grave. Ça ne pas à NJP là. Non, ouais, mais c'est surtout que voir euh, Ibushi qui est assez euh, discret, discret généralement, le voir parler ah ouais. euh, comme ça, c'est ça qui est surprenant en fait. Donc, euh, c'est pour ça. Moi, j'espère juste que, que soit euh, ça va être réglé dans les vestiaires, et s'il n'est pas content, bah, qu'il se barre, et de toute façon, il sera pris ailleurs. quoi. Euh, c'est un catcher fantastique, il a encore au moins 10 ans de bonne carrière, je pense, s'il fait avoir un peu plus attention Ouais, Donc, pas sûr, vu les ouais, blessures, ouais, c'est hein, hein. ouais, chaud, ouais. <laughs> c'est ouais. clair. Mais Ouais, non, mais All Elite, faut il faut qu'il aille chez All Elite. Honnêtement, ouais. il rejoint Omega, il refait ouais. un truc avec les Bucks, la Golden Elite, etc. Et c'est voilà, clair. clair. J'avais un truc à rajouter aussi, c'est que Voices of, Voices of Racing, il faut faire attention parce que bon, il y a quelques news qui sont un peu ce c'est ouais. pas vraiment une source sûre. Quoi. Donc, ouais, euh, c'est pour, pour ça que Trav dit que de son côté, lui, il a rien vu donc. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre l'Ariaté, euh, tout ce qu'il dit, en tout cas, il travaille fort pour vérifier ouais. et tout ça, donc euh, c'est clairement l'une des meilleures sources que vous pouvez avoir en France euh, là-dessus, il euh, n'y a pas de doute, donc, euh, mm. donc voilà. Puis, généralement, quand il y a des, quand il comment dire, quand il y a des, euh, comment... des backstage, généralement les, catch... les catchers, enfin, c'est Enfin, je veux dire, c'est pas les journalistes, enfin des, des journalistes, genre euh, comme Jean Melzer qui peut y avoir au Japon qui, qui, qui vont faire fuiter ça. C'est des catcheurs eux-mêmes, en fait. Ouais, ouais, là, normalement, là, ils sont ça sur leur un, blog un, ou des Là, c'est un peu fait. le cas. Ouais, c'est ouais, le cas, justement. Euh, c'est euh, le bouchy cas. à parler, ouais. Euh, ouais, 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 c'est ouais. clair. C'est clair. Bah, toute façon, tout le monde va s'y intéresser, donc on aura des nouvelles très bientôt là-dessus. C'est pas n'importe quel catcheur. J'ai peur que ça ait une incidence. sur Fort bien, je sais pas moi bah, ouais, j'ai vu des gens aussi qui ont parlé de ça ouais. je vois pas pourquoi ça ça aurait une incidence euh, dans l'idée euh, parce et... que je pense que enfin Ibushi je pense que c'était mort pour pour pour, pour, pour je pense que là il est encore blessé je pense je sais pas, euh, pas je sais pas moi je, je suis pas persuadé que ça changera quelque chose avec le j'ai vu euh, univers cash je crois qu'il a déconné là dessus et tout enfin moi je, franchement <laughs> je vois je vois pas pourquoi euh, euh, après cash je déconne surtout. Mais, évidemment, évidemment. mais Mais euh, le truc, c'est que je vois pas pourquoi. Je vois, je, je vois pas pourquoi ça changerait pour Forbidden Door. Enfin, l'idée, c'est pas euh, c'est pas Kazushika Okada, quoi, des, Tu vois. Euh, Taishi ce c'est pas les mecs les plus utilisés euh, si, si euh, l'élite ils disent bah nous je suis pas d'accord de bosser avec eux enfin New Japan s'ils sont pas trop cons ils dégagent les deux et puis on en parle plus et puis voilà quoi ça, disons... peut avoir Taishi aux tant... US franchement tant <laughs> que c'est ouais il ouais, ouais, y en a d'autres hein. chez ouais. NGP c'est pas grave hein. tant que c'est pas réglé euh, vous les mettez de côté nous on veut pas les voir dans ouais, compagnie euh, oh là, point barre moi, mmh. moi je vois et pas en quoi ça change pour euh, New Japan Forbidden Door si... voilà la, la seule problématique c'est vra... si vraiment Ibushi ça se passe très très mal euh, qui veut euh, que ça, euh, pour des raisons d'harcèlement ou ce, ce genre de choses, ça pourrait mettre en cause le partenariat NJP euh, All Elite sur le long terme. Ouais, oui, parce que ouais. Omega pourrait pousser aussi pour que ça s'arrête. Euh, il faudrait le, que le... ça soit très grave, ouais. je pense. Voire même le, le partenariat NJP All Elite aussi, qui est très important. Je me rappelle. Bah, ouais, 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 bien sûr. Ouais. <laughs> ouais. On peut pas dire qu'il est très important, mais. <laughs> pour moi, oui, il l'est. Oui, bah oui, une nous aussi, <laughs> mais. C'est clair, mais bon. Euh, je voulais parler rapidement de la carte de Cyberfight. Fight. Euh, je sais que Max, toi, t'es pas le plus gros fan. De la carte Non, on ouais, pas voilà, dire. Non, voilà. bah, déjà, rien que les gros matchs. Ouais, c'est ça. Bon, on va, on va parler euh, rapidement. Euh, je, je dis tous les, tous les matchs. Et puis, s'il y a quelques matchs que vous voulez mettre en avant ou autre. Euh, vous en parlez. Il euh, y a trois dark match, enfin euh, trois pré-show match, donc ils seront diffusés, mais ça sera en, en tant que pré-show. Il y aura Muscle Sakai et Yukio Naya contre Soma Takao et Kazuki Hirata. Donc là on est dans le catch d'IDT. Sur euh... le Sakai, c'est ça, euh, c'est un Machine. Je sais okay. pas si on l'avait déjà dit... Euh, non, je ne Je crois pas. Je crois pas. Okay. ok, très bien. Bah, donc, il me semble que, que Fab l'avait déjà dit... Peut-être, ouais, peut-être. Ça me dit quelque chose de non vite fait, mais ouais, ouais. ouais. Ok, donc match euh, assez comédie, logiquement. Oui. Uh, Hyper Misao, Yuko Aino, uh, Yuki Aino pardon, Raku Pomarajuku et Aruna Neko contre Naokakuta, Kiryu, Mokami Yamato, Harisuendo et Kaya Toribami. Uh, juste pour info, parce que j'ai complètement oublié de dire ce qu'il fallait que je dise. Uh, c'est le, 10... oui. uh, ouais. le 12 juin. Le 12 juin, c'est un show qui rassemble Gambare, uh, DDT, Noah et TGPW et ce sera disponible sur le Wrestle euh, Universe. Voilà, je suis totalement Pendant oublié de le dire. 7 heures de show, bien entendu. J'imagine. <laughs> ça va durer longtemps, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je, et je, je, je table ça. sur un petit 5h30 personnes. Un petit 6h oh, quand ouais, ouais, même. Années années années. Années, ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais, un petit 6h. Un petit 6h, c'était ça été long. Pas pour un petit 6h. Mais euh, je, je tiens à le repréciser parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas de quoi on parle quand je dis Cyber Festival bien et j'ai totalement oublié de, de le dire. Donc ça, ça sera un match à plusieurs de 10 de, 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 femmes de TGPW. Ensuite, il y aura un Six, euh, man euh, taki match Eruption Yukio Sakaguchi, Saki Akai et Hideki Okatani contre Ken Oka, Yuna Manase et Mizuki Watase. Euh, Ken Oka, Yuna Manase et Mizuki euh, Watase, c'est du Gambaré euh, ave. Ouais, absolument. Ça, ok. Très bien. C'est intéressant de voir que Gambaré euh... est un peu plus haut dans la carte cette année. On va en reparler après, mais euh, un petit mot euh, Sakaguchi, ça fait chier comme de devant ouais, de le chaud. Je suis totalement d'accord. Sakaguchi, ça m'emmerde aussi que ce dans le pré-show. Ouais, ouais, ouais. J'adore ce C'est clair, c'est clair. Euh, Kinya Okada pardon et Kai Fujimura. Euh, donc, ça, ça devrait être un opener. Contre Toy Kojima et Yuya Koroku. Donc, là, on est dans les jeunes de Noah contre les jeunes de DDT Bon, là-dessus, là euh, normal. Mm. Miyu Yamashita, Makito et Jurya Nagano. Contre Ikari Noah, Suzume et Yuki Arai. Donc là, c'est un six-woman six tag euh, de TGPW. Euh, clairement, c'est, bah, elles sont très tôt dans la carte comparé à l'année dernière, par exemple. Oui. Euh, mais euh, voilà, bon, actuellement, c'est pas elle en tête d'affiche, surtout pour Miyu Yamashita et Makito. J'ai l'impression que Donc, toutes euh... les catchers de TGP sont bouquées sur le show, je crois. Oh, je crois ouais. Oh, ouais, Je crois, ouais. Ouais, je crois, effectivement. Euh, bon, voilà. Mais sachant qu'il y a Ikari Noa, hein, est... enfin, pas Ikari elle n'est pas là, Ikarushida, je voulais dire, en fait dans ma tête. Hein. C'est vrai qu'on pensait qu'elle euh... qu y serait... Entre euh, autres, doucheur, euh... Euh, on pensait contre... Comment s'appelle L'ancienne... de L'ancienne... Euh, la lég... Non, la légende japonaise euh, du Joshi qu'on voit de temps en temps. Ah, oui. Yokota oui. Non, non. Pas. Euh... Oh. Comment s'appelle pas Boulnakano, l'autre là. À, à ja à ja à ja voilà. Ah, Jakung. Ah, Ah, ce qu'on voulait pas voir, bien entendu. Ouais, d'ailleurs Parce que Ikarushida avait teasé un match contre a C'est pour ça que je dis ça. Mais donc du coup, voilà, elle ne sera pas sur le show. Euh, ensuite, on aura un match à 8, enfin euh, à 4 contre 4. Euh, les pheromones. Yuki Sexy Hino, Yumito Fantastic, Imanari. Qui est l'actuel champion Gambaré. On précise. Don Dandy Dino. Euh, et Akito contre Shinyaoki, Senshiro Takagi, Yumiko Ota et Kendo Kashin. Bon, là, on est dans Des un mélange recrétan, un peu de ça, tout, ouais. ouais. Très comédie, ça c'est spécial pour Max. Ah ouais, ouais. <rire> non, non. <rire> <rire> non, en vrai, euh, Imanari, il euh, faut aller voir son match contre, euh, contre Takaway pour le titre euh, Gambare, là, du dernier show mm -hmm. C'est un très bon match, hein, vraiment. Hein. Imanari, il est, il est vraiment bon. Ouais, hein, c'est un, un très bon catcheur, hein. sauf que là, il est beaucoup ouais, C'est bon. euh, bah, comme aussi euh, Inou, hein, il est bon, ouais. Vraiment. Ouais. Bien sûr. Ah oui, oui. Il euh, y a un 4-way match Dino, bon, voilà, quoi. <laughs> pour le titre Princess of Princess, le... est Princess, of Princess, est Princess euh, qui est le titre secondaire de... Enfin d'ailleurs, ils se sont gourés dans le... C'est pas Princess of Princess, c'est International Princess, qui est le titre secondaire de titre GPW. On aura Rika Tatsumi, euh, Mizuki, Yuki Kamifuku et Miyu Watanabe. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans l'idée, je suis plutôt content qu'il y ait oui. un, un petit 4-way comme ça, ça peut être sympa. Ça, ça peut être euh, sympa. Ouais. Su... Ouais. Sugiuragun, Takashi Sugiura, Kazuyuki Fujita, Masaki Tamiya, Daiki Naba et Shuei euh, Contre Michael Elgin, Sugiuragun, El Hiro des de Wagner Junior et René Dupré, les actuels champions euh, Tag Team uh, Simon Gotch et un catcheur mystère. Donc sûrement un autre Geijin qu'on n'a pas oui. encore. Voilà. Vous, vous tablez sur qui vous, enfin, vous avez un pronostic J'ai aucune, euh, aucune, aucune idée. Aucune idée. Moi bon non plus. Parce qu'on pourrait avoir Cesaro. Cesaro, euh... c'est un ancien. Non. Il a fait noir hein, un peu. Hein. Ouais, ouais, mais non. Euh, honnêtement, Cesaro, s'il va, c'est il va chez une je... mm. mm. Pour moi, il va chez l'élite. Mais il... okay. euh, petite info aussi, je crois que Taniguchi a quitté, je crois, les les Funky Express, je crois. Ouais, c'est. Il est ah, bah, revenu en chouette. Taniguchi euh, Ok. Bon ouais, c'est. J'imagine que c'est pour ça qu'il est avec Sugiryagun du coup. Ouais, ouais, ouais. Ok. Enfin, c'est enfin, pas vraiment le clan Sugiryagun ouais. parce que euh, Inaba et Ne font pas partie du clan, je crois. Euh, oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Oui, ouais. oui, ce euh, c'est que ce et Fujita. Mais ouais, ça, je regarderai pas. Mais c est, c est... <laughs> bah ouais, mais c'est c'est. Ah, ouais, d'accord, oui, d'accord, mais c'est bizarre parce que Masaki Tamia et, et Elgin sont en équipe ces derniers temps et sont oui 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 en plus ouais. bah, ils, ils vont changer pour le titre justement ouais ouais top. en plus ouais. Ouais. Non, et, bah, et, bah, là, coup, et là du coup Elgin du coup qui est en équipe avec Tamia peut faire équipe avec justement, avec justement ses adversaires en fait ouais avec logique, du prêt et des bagneurs ouais. logique booking Noah ouais. euh, dans la même phrase ça va pas hein. non, non 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 mais c'est clair enfin, je, je pense qu'ils voulaient faire un tag euh, fin enfin, japonais contre Gajin je pense Donc, euh, oui c'est pas trop le choix c'est totalement ça totalement ça Arashima et Naomi Yoshimura euh, accompagné de CDK Masahiro Takanashi et Chris Brooks contre euh, le Sona Club Shunma Katsumata Yuki Ueno Mao et Asuka qui ces derniers temps est beaucoup avec le Sona Club euh, ouais. bon un match 4-4 euh, sympa mais c'est vrai que c'est pas c'est habituel en fait hein. ah, c'est ouais, des multi-man ça ouais. reste des multi-man ouais. mm, mm, mm. Rob Vandam et Stinger <laughs> Yoshinari et Ayata contre Kaito Kiyomiya euh, Daisuki Arada et Yoé -e. Comment veux-tu qu'on soit hypé par cette carte sans déconner <laughs> Ah, Discord Faut euh, pas, je... pas déconner Attends, attends, Ab, laisse parler, y a 10 dix matchs Vous avez vu les 10 matchs Il ouais. y a quoi d'intéressant Moi, le seul match qui m'intéresse, c'est le match à 4 féminin. Ouais. Le 4 Ouais. Pour l'instant, depuis le début, il y a que ça vraiment qui m'intéresse. Le reste, <laughs> putain, on va y mettre des claques. C'est vrai que c'est un peu. Euh... C'est chaud. Et là, t'auras déjà passé quoi 4h30 de chaud. Hein ouais, je pense. Ouais. Donc, 3h30. Putain, ouais. c'est bon. Euh, j'ai mis sur Discord euh, 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 Pas forcément Pink c'est obligé. Oh c'est encore comme une maison quoi. C'est bon. Bah j'espère pas, j'espère pas. J'espère pas. <laughs> pas. Vas-y, je m'énerve. Harvey, ah, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu Ouais non mais c'est de la merde. Euh... <laughs> Moi je l'ai vu en 2019, c'était nul à chier. Hein, la tienne, fait... non Enfin un pack de euh... Pff... Je sais plus. Moi un pack j'ai vu dans une piscine avec des gonzesses Ouais. Hein. Avec, ouais, euh, ouais, justement, ouais. avec sa meuf qui avait euh, banni la, la de Twitch, c'est ouais, ça. ça ouais. <laughs> Burning, euh, le match 11, Tetsuya Endo et Junakiema contre Kazusada Iguchi, enfin euh, accompagné de Kazusada Iguchi, excusez-moi, contre Naomichi Marufuji, Atsushi Kotoge et Yoshiki Namura. Bon, là, c'est un bon euh, six men, c'est vraiment Noah contre Divinity. Pour le coup, c'est Mais... Bah, y a pas, il a pas de match euh, oui. pour le titre Endo quoi. Ouais. Mais putain ouais. non, mais le, La raison je pense que c'est parce que Peter Pan arrive très bien tout juste après, donc du coup euh, peut-être qu'il ouais, voulait pas l'année dernière aussi. Pour ouais. ouais ouais mais... C'est vrai, c'est Ça reste con. C est c est... Nul, euh, Par putain. contre il y a un truc <laughs> que je suis en train de me dire. On est d'accord qu'il n'y a pas... Il y a pas, euh, As... y a, y a pas euh, Katsuiko est Nakajima Non Dans la carte Mais non mais il n'est pas là Moi je voulais Endo Nakajima Ouais ah, mais ben, Nakajima il est plus. Ouais, ah, Nakajima, Nakajima il est, est pas, pas dans la carte. La carte. Hein. Ah, c'est hallucinant, hallucinant. Endo, champion d'Indie, n'a pas de match pour le titre et Nakajima est pas sur la carte. Il n'y a pas un truc à faire mais... ouais, ouais. On disait, euh, <laughs> disait oui. Euh... Le cool. Rongai est parti, c'est bon, euh, non, ça va être mieux. Bah, ouais. arrive-vous. <laughs> Nakajima, Keno, bah arrive-vous. Et surtout, bon, on va en reparler après de, de Rongai, mais enfin euh, moi de ce que j'ai vu de lui chez Dragon Gate, c'était bien. C'était le mieux que j'ai vu de lui depuis euh, <laughs> que je regarde Noah. Donc, bon. Euh, on arrive au dernier match, c'est les 1 contre 1. Je pense que c'est ce que tu vas rattraper les 3 derniers 1 contre 1, Max Non. Alors, euh, je pense que le match d'avant, je vais le regarder. Ouais. Parce que sur le papier, il est bien, mais voilà, ça m'emmerde pour Endo qu'il n'ait est... qu pas de match. Euh... Ouais, si, je vais la regarder, mais sans avoir une hype. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Je vais la regarder. Bah, moi, mais moi, fait... moi, ma grosse hype euh, sur les trois derniers matchs, ça sera le match féminin même si c'est un classique et une habitude de, de TGP ça reste toujours costaud on va, on ouais, va y ouais. arriver mais donc il euh, y aura Keno contre Daisuke Sasaki Si ça triche à tout le long de Sasaki ça va être chiant si Sasaki cache, ça sera bien mmh. oui have. Ah, je sais pas si tu as... Euh, je remarque un truc c'est que c'est pas y a pas que Kenakamia qui est pas, pas bouque c'est que tout Congo il pas bouque à, à part Keno ouais tu raison il y a personne au Congo. tu as raison mmh. ouais ouais donc Nakajima est un peu plus important que les autres quoi as ouais. Fujita quoi mais Ouais, euh, non, moi, Funaki. Je... Funaki, ouais. Funaki. Funaki, pourquoi Ouais, ouais c'est vrai que Funaki voir, est même euh... pas sur la carte. Hein. Non. Ouais. Je voulais voir. Ta... Euh... Comment il s'appelle Qui ça Tadasuke, moi. Je suis... Ah, Tadasuke, ouais. ouais. <laughs> Bah, ouais, non, mais ça fait partie des 4 heures. À la place de mettre RVD, tu pouvais mettre euh, Congo. Là. Rocky aussi, moi je voulais le voir catcher, ah, dans ouais. ouais. Ouais, ouais, mais bon. Euh, donc le match pour le titre féminin de TGPW Princess of Princess, Shoko Nakajima <coughs> contre Yuka Sakazaki, euh, ça c'est clairement un match euh, classique de chez TGP, c'est pratiquement tes deux meilleurs catcheurs que toi si t'enlèves Miyu Yamashita. C'est les deux autres que et Shoko Nakajima a pris le titre à, à Miyu Yamashita, qu'elle soit contre Yuka Sakazaki, euh, c'est logique, elle était déjà en main, en main event pour TGPW euh, l'année dernière, Yuka Sakazaki contre Miyu Yamashita, je crois, c'était ça le match de TGP, dans mes souvenirs. Je crois que c'était du euh, cas Kazaky. Ouais, c'était ça. le festival de l'an dernier, je parle parce que Ouais, c'est ça. c'était ouais, euh, oui, c'est les matchs de contre Rouy okay. ouais. ouais. Donc euh, moi, moi, sur le papier, c'est peut-être le match parmi les trois derniers matchs qui m'intéresse le plus au final. Donc euh, mm. j'attends de voir ce que ça va donner. Ça risque d'être très bien. Donc, ouais. en vrai, les petits tags. En vrai, euh, ça va quoi. Il, il y en a qui sont pas trop déconnants. Oui, mais on, ouais, je comprends que Max me dise Qu'il s'en branlent quoi. Ouais, une fois, ouais. ça reste des multiman, quoi. Tu as même pas de titre en jeu, tu as rien. Tu pouvais faire un match pour un titre tag, quoi. Enfin, ouais. C'est pouvais... clair, c'est clair. Non, mais tu une pourrais une avoir japonaise d'avoir que des multiman. Moi... Ouais. Tu pourrais avoir une carte avec euh, pratiquement que des défenses de titre où tu défends ton titre de gambare, tu défends ton titre de, ah ouais. de... c'est clair hein. oui. dans l'idée, tes titres tag, tes machins, tu pourrais tellement faire ça, mais bon, euh, ils ont pas l'air de vouloir le faire, quoi. Donc, ouais, euh, bon, même voilà. les titres, euh, les Enfin, même le titre de, de, de Endo n'est pas défendu, ouais. les titres majeurs. Les autres titres majeurs, bon, bah, bah, du coup c'est le titre mineur pour Keno ouais. qui il... enfin, qu va défendre ensuite Sasaki. Et on va parler du main event. Et le main event, <laughs> c'est Go l'actuel champion Jiyashi, Heavyweight contre <laughs> Satoshi Kojima <laughs> de New Japan. Toujours annoncé New Japan hein, au passage. Ah ouais Ouais ouais, ouais j'ai vu ça. Mais enfin, si tu veux, je dis ça parce que New Japan a partagé l'info qu'il sera contre Ghoshazaki. Donc, euh, donc, du coup, voilà. Mais euh, bon, bah, moi, ça m'intéresse. Mais après, j'espère juste qu'ils vont pas donner le titre à Kojima pour qu'ils <laughs> disent, euh, oh, c'est le quatrième à faire le... le comment Le Le Non, non, ils le feront pas. Ils le feront pas. Non, mais je suis désolé pour le main event de Cyberfight. Tu dois avoir mieux que ça. Mais surtout que là c'est un mec de New Japan, donc pourquoi c'est pas un mec de Didity limite quoi Et enfin... puis le mec de New Japan, ils ont quand même encore... Ouais. pris un vieux. Ouais, bah tant qu'à faire. Forcément hein. qu'ils prennent un vieux, hein. ouais. ça c'est un truc de fou. C'est clair, c'est clair. Ouais. Non mais c'est vrai que la carte est... Bon, l'année dernière on se disait ouais c'est pas très ouf et tout. J'ai l'impression qu'elle est quand même moins bonne. Bah elle est totalement, totalement moins bonne déjà. Enfin t'avais avais un très bon match pour Didity. Ouais. Pour le titre DDT que tu pas le match pour. Le excellent tag match avec Soudirois et tout, où ils se mettent des décollants sur la tête aussi. Magnifique bah, hein. Ouais, non, c'était à chier. <laughs> <rit> euh, tout <rid> ça, tu auras encore du même niveau T'inquiète ah pas. Ouais. Non, ouais. mais vraiment, ah, les, les cartes, elles sont pas alléchantes. Quoi. Non. Elles ne sont pas alléchantes. Enfin,. Euh, hum. Moi, moi... Et en plus tu sais que ça va durer 6 heures. Ouais, c'est clair. Moi les matchs qui m'intéressent, comme toi Max, il y a le 4-way le pour le titre Princesse euh, Internationale Princesse de TGP. Mais attends, mais c'est pour le titre euh, Internationale Bah ben, Le truc c'est qu'ils disent euh, Rika Tatsumi, Mizuki, j'ai pris de Wikipédia. Rika Tatsumi, Mizuki, Yukime, Kamifuku et Miyu Watanabe. Et disent four-way match pour le titre Princess of Princess. Mais le titre Princess of Princess, c'est le titre de Shokonaka. Mais c'est le de Makido, la championne internationale. Bah, c'est ça le truc, c'est pour ça que je ne comprends pas trop en fait. C'est peut-être un, un match euh, un match pour devenir challengeuse. Peut -être, peut-être pour devenir challengeuse, peut peut -être, être, peut -être, peut ouais, peut-être. C'est peut-être ça. C'est peut-être pour devenir challengeuse. Mais après, c'est la traduction Wikipédia. Enfin, hein, faire un match pour être challengeuse à, à, à festival. enfin… C'est un peu con Surtout quand tu défends pas le titre. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est pour être challengeuse pour le titre Princess of Princess de Shoko Nakajima. D'accord. Je crois que c'est ça. Tu as raison. Mais bon, voilà, là-dessus, on verra ce que ça va donner. Mais il y a ça qui m'intéresse. Le tag team Gajin contre Japonais, ça m'intéresse un peu. Voir qui va être le X. Bah non, non, non. Après, je suis par curiosité, j'ai envie de voir Rob Van Damme parce que. Ouais, pareil. Exactement. Mais là, mais mais c'est la curiosité. Oui. Mal oui, 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 Non, ça, mais là, tout en totalement. fait. <laughs> après, après, tu vois, t'as le le tag team donc Noah qui m'intéresse et les trois derniers matchs, ça m'intéresse quand même, mais beaucoup moins que l'année dernière, vraiment. Ouais, on est d'accord, c'est ouais. quand même plus bas. Ouais, ouais. Je sais pas si t'as un truc à rajouter, Max, en plus. Non, non, j'essaie de de trouver l'image du 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 four féminin là. Ouais. Euh, bah c'est ouais, Fab qui avait tout mis euh, dans la Converse là oui c'est vrai je suis en train de regarder sur Twitter mais t'as raison il avait tout mis. Euh, Four Way match mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui indique donc il ouais, euh... y, y a un petit truc écrit en dessous mais bon ouais c'est sans... japonais donc euh... non c'est ça je non, sais non, pas généralement quand pas, y a un, si un petit, petit défaut, effort, je, je, je le reconnais <laughs> normalement il y a un petit mais là il n'y a pas donc, <laughs> Tu fais pas d'effort, faut parler japonais. Non, non. Ah, ouais, évidemment. Bah évidemment j'ai voulu, voulu que tu viennes dans l'émission un peu plus souvent, parce que je pensais que tu parlais japonais. Ah bah non, pas <laughs> Ah merde, bon bah désolé. Bon, non, <laughs> j'ai quelques notions en chinois, mais bon je japonais. Ah ouais, mais bon... Euh, ouais, mais bon, On n'est pas chinois monia, on est... <laughs> <laughs> La fête de Shima, Elle tourne pas vraiment. Ouais ouais c'est ou clair. Bon, tourne pas du tout. <laughs> hein. ouais. le truc hein, ouais, hein. ouais. C'est complètement mort. Bah, disons qu'ils ont bien fait. Ils ont lancé ça juste avant le Covid c'était une bonne ouais. idée. <laughs> c'est clair. Exactement. Clair. Bon bah voilà pour les news en tout cas. Euh, merci Max parce que du coup toi tu vas nous, nous quitter parce que tu n'as pas vu Dragon Gate. Euh, donc Donc euh, wow. après il fait ce qu'il veut. Hein. <rire> <rire> Bon, on se retrouvera la semaine prochaine avec sûrement les, le. C'est le 14 Début du Best of Super Junior, c'est dimanche. C'est dimanche, ok. Ben, dimanche, on... Et puis il y a Collision Course euh, la veille aussi. Oui. Effectivement. Donc il y aura pas mal de choses un... à parler chez NJP en tout cas. Un gros programme, ouais, sur, 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 je pense beaucoup New Japan. Oui, euh, beaucoup Best of et Collision ouais, Course. Il ouais, ouais. y aura peut-être un peu de King of Gate du coup, parce que la suite du tournoi aussi en, en, en ce moment. Brave. Ouais. Ouais. Ouais, ça va terminer assez vite en fait. Hein. Ouais, <laughs> ça va très très vite aussi, ouais. Ça ouais. va très, très vite, ouais. Ouais. Donc euh, bon, peut-être on verra que tu reviennes nous en parler euh, quand le tournoi bon, sera fini. Bon, euh, si je bon. pense, un truc comme ça peut-être. Donc, euh, donc voilà, bah merci à toi Max. Bonne et soirée puis, à vous deux, amusez-vous bien. Bon, les auditeurs. On... À la semaine prochaine. à très bientôt, ciao, ciao. Bye, ciao. Et hop, je vais changer oh. l'overlay. Parce que du coup, euh, on était en overlay à 3, on vais le passer à 2. Tag, je fais ça en live, je n'ai pas peur. Okay. Hop. Reste avec moi Ave, il y a pour deux secondes. Toujours là. Toujours là. Toujours debout. Toujours debout rassurez vous <laughs> Ah, ta caméra a bugué, tiens un peu. Ouais. Alors, je crois que c'est mon PC qui est en train de tout simplement. Ah, OK. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. On y est encore, vous inquiétez pas. Tac. Hop. Alors la caméra a bugué pour le moment de Ave. Ouais. Euh, Est-ce que je peux vite faire redémarrer mon PC Vas-y, vas-y. Vas montages... re... okay. Ouais, bah je vais pas faire de montage, mais vas-y, je vais, je vais anticiper, okay. t'en fais pas. Redémarre ton PC. Donc je vais attendre. En attendant, je vais vous parler tout simplement de. On va passer à Dragon Gate. Je vais faire tout seul le temps que que Ave redémarre son PC. Il n'y a pas de problème. Euh, je sais très très bien. Euh, parler tout seul Donc ça il n'y a pas de problème là dessus Donc du coup euh, Dragon Gate euh, Deuxième fois qu'on en parle sur la chaîne Des, des rebuts euh, Ce qui est intéressant c'est que euh, Là c'était vraiment un gros gros show Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir euh, euh, D'avoir Ave également euh, avec, euh, avec nous Enfin avec moi ce soir euh, Pour euh, tout simplement euh, parler de, de Des histoires et tout ça Donc si vous ne connaissez pas euh, la, la Dragon Gate, euh, bah, Ave pourra vous, vous expliquer euh, un peu les, toute l'histoire qu'il y a eu, euh, etc. etc. Euh, donc voilà, hop, en attendant, vous me voyez en, en, en comme ça, c'est très très bien, mais c'est pas grave, on va le faire. Donc tout simplement, Dragon Gate Dead or Alive 2022. Euh, donc c'était euh, le, le gros show de, de Dragon Gate euh, Le 5 mai 2022 euh, Et c'était à Nagoya Aichi Japan Au Aichi Prefectural Gymnasium Et il y avait 2640 personnes donc 2640, et c'est une des raisons que j'ai envie de parler de Dragon Gate euh, sur la chaîne des Rebuts du 4, que ce soit en, en, en vidéo ou en audio, hein, bien entendu, euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir si vous ne pouvez pas nous regarder, vous pouvez nous écouter, donc... Euh, pourquoi je voulais parler un peu plus de Dragon Gate en 2022 Parce que c'est clairement la promotion qui remplit le plus au Japon après New Japan Pro Wrestling. Et comme on est un podcast qui se dit euh, de... de bah, un podcast de, de pour on se doit obligatoirement de parler un peu plus de Dragon Gate. Euh, je pourrais, on pourra pas parler de tous les shows, clairement. Mais dans l'idée, j'essaierai de parler de plus oh. en plus de, de, de Dragon Gate. Rehave. Euh, ta caméra ne marche pas pour le moment. OK. Mais euh, me voilà, tranquille. Il euh, y a pas de problème, t'en fais pas. OK, fait normalement ça... Ça, ouais, ça marche. Là, c'est bon, c'est bon. OK, bah nickel. Ça marche. Okay. Parfait. Donc euh, ce que je disais quand tu étais pas là, euh, c'était ouais. l'une des raisons que je voulais parler de Dragon Gate et bah clairement, tu fais partie des des des, des fans en France que je... Je pense que tu es l'un des plus gros fans de Dragon Gate, en tout cas euh, des personnes qui parlent sur internet, il y a peut-être d'autres personnes, mais en, en tout cas, eux parlent pas. Ils sont peut-être dans l'ombre. C'est ça, c'est ça, totalement. Ouais. Et l'une des raisons que je voulais parler de Dragon Gate cette année, et euh, que j'étais un peu déçu de ne pas en parler avant, c'est que euh, quand tu vois les, les chiffres qu'ils font en, en attendance etc., euh, ouais. et, et même leur abonnement sur leur page Twitter, etc., c'est clairement la deuxième promotion japonaise actuellement de Dragon Gate. Mmh. C'est une convention très populaire en, en Occident. Ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et là, on voit bah, pour ce show-là, Dead or Alive, qui fait partie de leur Big Four, on va dire, euh, chaque année, il oui. euh, y avait 2640 personnes, qui est énorme pour le pourro au Japon actuellement. Mmh. Euh, donc, une grosse salle, beaucoup de be beaucoup de, de personnes. Euh, si je dis pas de bêtises, avant la pandémie, c'était pas étonnant de les voir faire des 6-7 mille personnes. Quoi. Donc, euh, ouais. euh, donc, euh, donc voilà, je... et je pense que s'il y a bien. Euh, Surtout, sur... que là, en fait, Surtout que là, en fait, c'était 5... fait le 5 mai. Et le ouais. 5 mai, il y avait énormément de shows, en fait. donc raison. Donc c'est en... encore, plus, encore plus une prouesse en fait, d'avoir fait ouais. autant, autant de personnes. Parce qu'en même temps, je crois qu'il y, y avait Stardom aussi, enfin, il y avait fait ouais. beaucoup de shows aussi, il y avait beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça, parce que le, le, le week-end de mai, là le 2, 3, 4, 5 le mai, c'est la Golden Week au, au Japon. Mm. Et euh, en gros, c'est jour férié pendant 3 jours d'affilée, je crois, c'est férié. Exactement, et ouais. euh, toutes les promotions de catch, on en a profité pour faire plein de shows. Et donc, euh, bah là, Dragon Gate, ils ont fait ce show-là, mais derrière, ils avaient enchaîné deux deux shows, deux autres shows derrière, je crois. Non, encore à QN Ils en avaient fait deux avant, ils en avaient fait un le 3, ouais. le 4, et du coup, il y a, deux, il y a deux arrivent, le 5. Ils ouais, en avaient fait ça. deux au Capiess Hall. Je sais pas si tu veux un peu, c'est quoi la salle si. C'est celle avec le vitrail. ouais, ouais bien sûr. Okay. C'est magnifique, ouais. euh, très belle salle. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec Dragon Gate, c'est qu'ils sont très populaires, peut-être dans des endroits où euh, les autres promotions, un peu moins, j'ai l'impression. Euh, si j'enlève mmh. si New Japan, parce que New Japan est un peu populaire un peu partout au Japon, j'ai l'impression, mais euh, tu vois, quand ils vont, eux, Dragon Gate, c'est une promotion de d'où déjà De Kyoto oh, Aucune idée. Je crois que c'est Kyoto, Dragon Gate. J'avais vu ça. Euh, je vais aller voir, je vais aller voir. Mais je crois que c'est Kyoto. Euh... Enfin, je me souviens avoir fait des recherches quand je t'avais reçu la première fois. Et euh, <coughs> je crois moi, ouais, moi, et souvent, une promotion aussi qui a, qui a quand même établi beaucoup de noms. Hein, au, ouais, totalement, totalement. Euh, non, pardon, c'est Kobe, excuse-moi, j'ai compris. Oui, Kobe, oui, mais oui bah Kobe, oui. Kobe. Kobe. C'est pour ça que le, le, le gros show de l'année s'appelle Kobe World en fait. Ouais, ça, voilà, ça. non mais t'as totalement. C'est coup de source. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais mais voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Euh, grosse carte, on avait fait un peu la preview lors du mercredi. Euh, également. Oh, euh, très vite. <laughs> ouais, euh, ouais très vite, très vite, tu l'avais ouais. fait très très vite, mais tu avais Exactement, eu le temps ouais. d'expliquer un peu ce qu'il fallait. Ouais. Euh, et ce qui était intéressant dans ce show-là, c'est que ça commençait directement avec un gros match, avec un match pour, pour les titres par équipe, les Open the Twin Gate Title. Alors, on ne va pas revenir sur tous les termes, les machins, parce que tu l'avais déjà, voilà, déjà expliqué il y a un an et demi quand tu étais venu. Euh, donc, si vous ouais. voulez savoir les... qu'est-ce que c'est, machin et tout. Euh, vous réécoutez ce podcast là, et puis, et puis voilà. Mais donc, le Open the Twin Gate qui est le titre par équipe, et euh, c'était donc D euh, Courage, Dragon Dia et Yuki Yoshioka contre zebratz Diamante et Sean Skywalker. Et donc, c'est un match qui était gratuit sur la chaîne YouTube euh, oui. de Dragon Gate, et c'est toujours le cas. Les, les premiers matchs, les openers sont gratuits. Oui, absolument ouais. ouais okay. et, et, et ils sont, ils sont toujours, toujours sur la chaîne YouTube. Donc si, 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 vous voulez le voir, vous pouvez en fait. Quoi. Ok. Et c'est toujours des gros matchs ou là c'était exceptionnel que c'était un match. Euh... Euh, non, il peut y avoir souvent des petits tags, des petits ouais. tags vite fait entre entre, entre des mecs peu établis dans le roster. Il peut y avoir aussi des matchs entre des rookies. Ça dépend. Ok. Ok. Donc là c'était vraiment. c'est vrai que je crois que c'était en 2020 aussi il y avait eu je crois. Un... J'ai vu, l'opener, en, en c'était pour le, le, le Brave Gate, c'était ouais. Ishida contre Okuda. Ok, ok. Et, 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 mais les autres l'avaient noté d'ailleurs, il noté je crois 4 dans 5. Ok, d'accord. Mais là, ça s'explique assez facilement, c'est que Dragon Dia est double champion, c'est ça ouais, ouais, exactement. Euh, Est-ce que tu peux expliquer rapidement, si tu peux si tu y arrives, euh, après tu, tu, tu prends ton temps <laughs> comme tu peux, un peu l'histoire rapidement, qu'est-ce que c'est Decourage, courage c'est une faction, c'est quoi Alors, Decourage courage donc c'est l'équipe de je l'ai donc de Dragon Gaia et de Yuki Ushioka. En fait ouais. donc Yuki c'était Taï Inferno de Haredi. Ouais. et Dragon Gaïa, bah, c'est Dragon Gaïa parce qu'il a gagné son nom. Et les deux ont en fait ont perdu leur masque Alors Dragon Daya en fait euh, en il fait, euh, y a une, une grosse chute bon je vais pas revenir mais il y a une grosse chute entre Arredi et Mascarade, puisque que n'existe plus maintenant il a ça complètement imposé. Euh, mmh. Dans lequel en fait, on a eu, donc, un, donc, dans laquelle on a eu un tag match. C'est donc Da Inferno et Diamante contre Shunska Walker et Dragon Daya. Ouais. Euh, dans le match, euh, euh, Shunska Walker trahit, entre guillemets, parce que bon, euh, il le fait exprès, mais il ne trahit pas vraiment. Enfin, le lendemain en promo, il dit Je, je, je suis désolé, je, je fais exprès, machin, ça, mais c'était pour garder mon masque. Ouais. C'était contre Dragon Daya et Shunska Walker. Donc, euh, Shunska Walker euh, trahit, voilà, donc euh, Dragon Daya, le pouce euh, pousse dans, dans Diamante qui fait son finish, donc une première bombe. Mm. Et donc, Démenté, il bat Dragon Daya, Dragon Daya est obligé de retirer son masque. Sauf que, celui qui, en gros, lui, comment dire, lui met la pression pour lui mettre son masque, c'est Svikento. Et Diane Ferno prend le micro et dit carrément Svikento, respecte-le, il a perdu son masque, etc. Alors, savoir qu'on n'avait jamais entendu la voix de Diane Ferno auparavant. Donc, il dit respecte-le, respecte-le, etc. Et dit ensuite, euh, je suis revenu chez Dragon Gate en fait euh, pour annuler Dragon Diam. Ma mission est accomplie, du coup, je peux, euh, je peux me retirer. Donc du coup, il enlève son masque et on se rend compte que en fait, que et Shioka derrière à dire tout ça. Le lendemain, un petit peu lendemain, je crois que c'est pas du tout, c'est un jour, un mois plus tard, parce qu'entre temps, il y, y a beaucoup de tensions entre mascara donc du coup, qui se, ouais. voilà, qui, qui sont des crasses etc. Ok. aussi, il y a, aussi, y a beaucoup, il beaucoup, beaucoup de tensions ouais. aussi, Il s'est passé énormément de choses en 3 4 mois là. là. Exactement. Ouais. Et donc là, lors d'un main event, c'était SBKento, pour le titre, pour le Bradgate, qui affrontait euh, donc, un un saint Samista, donc c'était Dragon Daya qui faisait son tour, donc euh, avec cette gimmick, donc euh, en espèce de skater, un peu à la, la tabialine un petit peu. Ouais. Et j'y reviendrai, euh... reviendrai sur ça, parce que j'ai... Il adoré. bat donc SBKento en 3 minutes, mmh. donc, grâce à l'intervention intervention donc, de Yuki Shioka, donc qui trahit du coup à Redi, et qui salue du coup avec euh, Dragon Daya. Ok. Et juste après le match, donc, où euh, Daya et Daya bat SBKento, il, euh, lui, et Yoshioka, de, de challenger euh, Kento et Io qui était les champions aussi Twin Gate okay. pour les Six retag, donc le lendemain parce qu'il y avait aussi un show pour Akonoe le lendemain de ce show là où euh, Akonoe okay. prend le titre Brave Gate. Et, et donc ils, là il y a une grosse histoire parce que, exactement exactement donc, ils ont pris les titres et là donc ils, ont, ils avaient un règne depuis ce euh, moment depuis, depuis qu'ils avaient pris les titres en fait. Ok ok mais euh, en tout cas c'est bien c'est je trouve que c'est hyper bien écrit. Chez dragon. Ouais, Gate. Ouais. Je, je trouve surtout, que surtout cette storyline là, c'est vraiment une masterclass class. Ouais, 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 mais je trouve que j euh... généralement les, enfin, dès que j'arrive à comprendre les histoires, alors moi je l'ai pas dit, mais je j'ai regardé mm. le show en anglais sur le Dragon Gate euh, mm. Network, euh, commenté par Ohloon, Et c'est qui le, le play by play euh... J. 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 A. E. J. J. Ok, d'accord. Et euh, c'était plutôt pas mal. Mon peut-être mon gros reproche, c'est Allun qui arrête pas de faire des oh, oh, ouais, 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 ouais. oh et c'est un peu chiant. À longueur ouais. de temps, je t'avoue que ça. Mais mm. sinon, le, la description, c'est bien expliqué, tout ça. Là-dessus, ouais. ça m'a bien plu. Le travail est bien fait, quoi. Mais, euh, mais du coup, ouais. Et sur cette, enfin, franchement, tu commences le show avec ça. Euh, mm. Bien sûr, on te l'explique un peu et tout ça. Et ça donne. Un en la... Ouais, voilà, c'est ça, bien sûr. Et euh, franchement, c'est même si on connaît pas trop, euh, tu te dis c'est important parce ouais. que c'est un match pour un titre, donc déjà pour commencer, c'est cool, quoi. Et euh, on va le dire, hein, le match était vraiment bien. Peut-être pas ouais, au point qu'on ouais. aurait pu s'attendre. Ouais, euh, ouais, ouais. Je pense que si c'était plus loin dans la carte, ils auraient peut-être fait un plus gros match. Mais un truc qui est important à dire, c'est que Dragon l'une des raisons que ce match était en opener, c'est qu'il allait devoir défendre son, son autre titre. Euh, comment ça s'appelle déjà le... le Brave Gate. Le enfin, open the Brave Gate. Open the Brave Gate, euh, qui est le titre secondaire euh, solo ouais. euh, de, de, de Dragon Gate un peu plus tard dans la soirée. Donc, euh, donc voilà, contre SB Kento, entre autres. Euh, donc voilà. Bon, le match commence rapidement avec des enchaînements rapides qui euh, commencent. D-Courage prend, prend l'avantage en début de combat. Euh, Zibrat euh, prend l'avantage en intervenant et en trichant avec l'intervention de tous les membres qui font voler Dragon Daya dans le ciel. C'est impressionnant, euh, c'est ouais, 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 clair. Bah, ils ils, ils le font très souvent, ça, dans, dans, dans la haute etc. Et c'est que quand ils le font, ils le font voler vraiment, vraiment ouais, haut. Quoi. Très haut, C'est clair, c'est clair. Et un truc important à dire qu'on n'a pas dit aussi, c'est que dans tous les matchs par équipe de Dragon Gate, c'est les Lucha Rules. Donc il n'y a pas besoin de faire le tag obligatoirement. À partir du moment où celui qui est dans le ring, il est considéré comme l'homme légal. Mais s'il quitte le ring et qu'un autre catcheur de son équipe prend, va dans le ring, c'est lui l'homme légal. Donc euh, c'est l'une des raisons aussi qu'il y a beaucoup de triche du côté de Zibrats. Ils en profitent de ça aussi. Un peu. Oui. Donc, euh, donc voilà. Il y a la domination des hills. Il y a un gros retour de Dragon Dia après. Euh, retour des Faces. On a un topé Koniro de Yoshioka. Il y a un beau duel physique entre Yoshioka et, et Diamante. Eux, c'est un peu les, le côté un peu plus physique de chaque équipe, un peu surtout ouais. Diamante qui, est... qui, a, qui a vraiment pris de la masse hein, depuis, ouais, depuis okay. est revenu, Vraiment. Ok. Diamante qui est, est très épais, je trouve, pour un mec de Dragon Gate. Ouais, ouais. ouais. C'est un, un mexicain à la base, hein. c'est un. Ok. C'est un élève euh, de Team Dragon, je l'ai dit l'autre okay. fois. Ok, ouais, c'est vrai, effectivement. Euh, les move tag de Zibrat c'est hyper bon. C'est très très ouais. cool, ça fonctionne parfaitement. C'est vrai que Shun et Diamante n'ont pas beaucoup fait équipe auparavant, et puis là ils, ils m'ont vraiment bluffé, quoi. Ils, ils ont ouais. fait des, 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 des enchaînements de tarés. Ouais, c'est ça. J'ai noté que Dragon Dia, je trouve qu'il a un faux air de euh, Tajishimori un peu. Dans les catch. mimiques, dans les dans la façon de catcher, même, je trouve qu'il a mm. ses, il a il a des façons où il accélère le combat d'un coup mm. et ça fait très Tajishimori. Dans l'idée. Impressionnant. Hein, ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, moi c'est mon coup de cœur. Je te le dis, c'est mon coup de cœur Dragon <laughs> Dia. Déjà à l'époque, je crois que je t'en avais parlé en bien. Je crois, euh, je mais il était masqué, il était dans mascarade, il était beaucoup moins mmh. haut. Euh, là, clairement, il est vraiment très très bon. Alors que les fails sont l'avantage, Sbikento intervient pour faire tomber euh, Dragon Dia du coin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Dragon Dia va devoir affronter Sbikento plus tard. Il euh, y a un double press-slam de la deuxième corde des heals et intervention de, de Dia euh, qui permet de, 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 se, de continuer le combat. Euh, Dragon Dia arrive à porter une prise euh, en double d'IDT. Euh, DDT pardon. Il euh, y a un coup de chaise dans le dos de SB Kento. Parce que du coup, il y, y a des coups de tricherie tout ça. Puis à un moment, ils en ont un peu marre les faces. Ils mettent des coups de chaise. Et ça finit à la fin avec une victoire de. Euh, non, il y a un coup de chaise dans le dos par SB Kento qui intervient. Excusez-moi. Oui. Euh, et ça finit du coup, ils ont, les en profitent. Et victoire de Shun Skywalker et Diamante avec un, un, un move en duo. Je ne sais plus trop ce que c'est exactement. Euh, et donc, on a des nouveaux champions d'entrée de jeu. Et z ouais. qui posent leur, euh, leur domination dans Dragon Gate. Là, encore une fois, c'est déjà le cas. Hein, parce qu'on va, on va en parler. Mais l'actuel champion est de Zibrats brats euh, mais, euh, mais voilà. C'est clairement les boss de la promotion actuellement. C'est le nouveau RD. Exactement, ouais. Donc, euh, c'est un super combat. Surtout pour commencer. Bien, ouais. euh, vraiment de très très bonne qualité. Euh, moi, je mets 4 casquettes sur 5. Je suis à 4. Pour commencer. Bah écoute, pareil, en 4 casquettes. Ok, allez. Bah parfait. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat du coup Oh, c'était excellent hein. c'était ouais. très bon alors la, la tricherie chez chez, 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 les îles, chez Darwin Gates ça arrive très souvent mais je trouve que ça, ça te dégoûte pas du match en fait comme, non. Euh, comme, comme, comme pour, Evil, par exemple ch... exactement c'est ce que j'allais dire justement Togo ça, ça peut pourrir un match ouais. là je trouve que non en fait c'est fait par, par simonie et... non parce que c'est fait pour faire de la, de la haine et de la frustration et puis ça permet de, de... alors ça peut être énervant hein. je pense que Max ça peut <coughs> l'énerver par exemple ouais, lui je qui pense déteste ouais. ça moi personnellement ça ne me dérange pas parce que je comprends le principe de tricher pour faire la haine, faire de la hit, et derrière, tu as encore plus envie que le face revienne, et clairement, Yoshioka et Dragon Dia, bah, ça fonctionne parfaitement, dans ce côté, Fighting Spirit, on essaye de revenir, mm. etc. etc. Quoi. Alors, petite anecdote d'ailleurs sur le nom, dit courage, en fait, alors je crois que c'est parce que, alors, dit pour le Daya, okay. donc de... parce qu'en fait, donc, s'appelait Dayne Ferme, et du coup, il Dragon ouais. et courage, alors je crois que, alors, je ne sais plus si c'est Yuki ou Yoshioka qui veut dire courage en anglais, je crois. Ok. Okay. et du coup c'est juste une équipe et c'est pas une faction encore ça. Euh, pour l'instant non. Okay. C'est une... c'est qu'une qu équipe ça. Est absolument... Ok, ok, ok. Est-ce que t'as un truc à rajouter sur le match euh, je trouve ce qu'avec du montant en équipe, c'est incroyable. Ouais. C'est super, voilà. mmh. C'est suis... tout. Non non mais je... je suis d'accord avec toi. Euh... On a clairement une, une belle complicité. Tu dis que c'était peut-être la première fois qu'ils faisaient vraiment en équipe ensemble Personnellement, c'était la première fois que je les voyais tous les deux en équipe. Ouais. Ok, ok, bah, belle complicité parce qu'on a Schunska Walker qui est quand même un catcher ultra complet. Franchement, il faut le dire, hein. il est ouais. pas spécialiste dans un style ou autre, il est très complet, il est capable de faire. Déjà, fait ce jeu je le je trouvais extraordinaire. En ouais. id, il est, il est vraiment euh, au sommet, quoi. Ouais. Et très jeune. Hein, euh... 25 ans, ouais, 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 non, mais ils ont, ils ont du talent. Hein. Je crois que Fab avait, avait dit enfin, qu'il faisait penser à un, à, un il est vraiment psychopathe, quoi. Taré, ouais. quoi, c'est vraiment le cas. Ouais, il, il est vraiment cinglé <laughs> totalement, totalement, totalement. Non, mais c'est un, un super combat, euh, clairement. Bah, en plus, il est gratuit sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller ouais. le voir, franchement. D'ailleurs, si on, si on veut on revoir un peu la feud, il y a la chaîne YouTube de Garo Sports. Qui publie parfois les résumés des matchs, des gros matchs et des gros matchs importants en fait. Donc si vous voulez voir ce qui s'est passé entre Mascarade et Reddy, on peut voir en fait. Ok, on a vidéo genre de 20 minutes qui résume tout. Ok, super, merci pour l'info. Mais en tout cas, voilà un très bon opener sans aucun doute. Pour les autres matchs, j'ai pas les photos parce que c'était un peu compliqué à trouver. Alors j'ai pour les gros matchs, j'ai les photos, mais pas pour les 2-3 matchs qui vont arriver, donc je m'en excuse. On avait un 4 way qui était totalement comédie, Av. Euh, C'était donc Kono Mama Ishikawa, Siyashioko Machine, Mondaya Ryu, euh, qui, qui est également, euh, ça veut dire problème Ryu, problème Dragon, mm -hmm. pardon. Mm -hmm. Oui, exactement. <laughs> dragon, pardon. Donc euh, le dragon a problème, en gros. Euh, <laughs> et, et Yosuke Santa Maria, qui est un catcheur euh, exotico. Voilà. Euh, qui Est-ce est qu'il y en a beaucoup des catcheurs ex exotico chez Dragon Gate ou pas c'est le seul, Puisque okay. je crois que c'est Ok, mais c'est pour ça qu'on dit, on parle de, quand on parle de Dragon Gate, on parle de Lucharesu. Euh, les, les exoticos, c'est clairement mexicain, enfin, c'est très populaire au Mexique. Et là, c'est le côté clairement un peu mexicain. Mais euh, pareil, ce, ce catcheur-là, alors je sais pas s'il faut dire il ou elle, pour le coup. Je... Euh, les commentateurs anglais, je crois, disent, disent, disent she, donc elle. ok, okay. Donc, Je pense qu'il faut dire elle. Donc il faut dire elle, je pense aussi. Ouais, du oui. coup. Donc elle, elle est quand même très populaire, mine de rien. Ouais, ouais. Euh, ça se voit le public l'aime beaucoup donc euh, ça c'est très cool ah. alors, Yosuke Santaméa, pour, pour, pour anecdote euh, elle a eu une fuite une incroyable avec, 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 avec Lindaman ok c'était excellent ok ils avaient une, une espèce d'affaire de, de couple et finalement fin, ils sont trahis etc ensuite okay. Lindaman rejoint, rejoint Verzork ok enfin, c'est marrant <laughs> ok ok qui était lancé à ça hein on est d'accord oui alors il si y, ouais. y a eu, eu Verzork ensuite Antias en, en ensuite Aridi ouais. et maintenant Zibra euh... ouais 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 c'est clair en l'ancien à la Eredis D'ailleurs, euh, euh, à la base, c'était euh, pas, pas Chikawa qui était, qui était booké dans le match, normalement, c'était Punch Toméga qui était dans le match. Ok, d'accord. Ok, ok. Parce que euh, Big Boss Shimitsu s'est blessé, donc bah, du coup, il a, il a dû remplacer dans un autre match euh, qu'on verra plus tard. Ok, d'accord. Euh, donc, euh, c'est un match qui est très comédie. Alors, je, je, je connaissais. Je... Enfin, je pense que vous, si vous êtes un peu habitué à être curieux et à essayer de regarder un peu ce qui se passe au Japon, vous avez déjà dû au moins tomber une fois sur une image de Kono Mama Ishikawa qui est très reconnaissable. Mmh. Euh, c'est quoi C'est un insecte C'est quoi C'est. Alors là, je Ouais, je sais non, pas ce que c'est, mais c'est un truc complètement what euh, ouais. the ouais. fuck. Hein, un, un truc totalement what the fuck. Et donc, il y a beaucoup de trucs euh, de spots un peu à la con dans ce match-là. Et à la fin mmh. du, du match, en fait, il y a une figure forte de Kono Mama Ishikawa. Euh, qui est contré euh, par problème euh, Dragon donc euh, Mondai Ryu euh, qui est en reverse, une fi reverse figure fort et c'est donc du coup c'est ce qui fait que euh, Konohama Ishikawa qui foire tous ses moves pendant tout le combat c'est ça un peu l'histoire du truc qui foire c'est ça gimmick ouais. ouais et en gros il se fait contrer sa prise de finition j'imagine et derrière il abandonne pendant que euh, Santa Maria et euh, Shioko Machine était en train de se faire un, un bisou dans le coin. Voilà. <laughs> oui, enfin, alors, rien euh, fait parfois quelques bisous, mais c'est pas non plus aussi corps que genre Dino, quoi. Ça non, quoi. non, non, non c'est des, des, voilà, des bisous, quoi. C'est des petits bisous, quoi, ça ouais, <laughs> ouais. Bon, j'ai mis deux et demi, c'était c'était marrant. Oui, enfin, le, le match, en plus, c'est très court, quoi. il fait, ouais. il fait deux, deux trois minutes, je crois. Ouais, ouais. On n'a pas le temps de... C'est pas, hein. pas trop. Ouais, non, non. Bah, non. Justement, ouais, c'est ce que j'allais ce dire, c'est que, que le show, en fait, tu t'ennuies pas, tu, tu pas en fait devant quoi C'est clair, je suis d'accord. Ça passe très vite. Bah, passe ouais. très vite. Moi, je l'ai regardé en deux fois par manque de temps, je pouvais pas le faire d'une mmh, traite, mmh. mais euh, si j'aurais dû le regarder en deux fois, il n'y avait pas de problème en vrai. Euh, donc Parce voilà. On a, on a l'habitude de, de la noix qui fait genre des matchs avec le, 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 le fuck Express qui dure, qui, qui dure genre 20 minutes. C'est <laughs> un peu chiant ouais. c'est clair euh, ben pour le coup je trouve que le, le temps est donné enfin euh, est très bien donné en fonction des, des places dans la carte mmh. je veux dire mmh. un match comédie ça se doit pas être plus long que 5 minutes quoi euh, clairement euh, ouais, ouais. j'ai pas le temps sous les yeux mais tu dis que c'est un match qui était très cinquante cool. donc ouais donc, euh, ouais, donc euh, clairement euh, bon voilà c'était bien c'est ce que en vrai 2,5. deux et demi bon oui, c'est oui, pas oui. rattrapé <laughs> Le match d'après, c'est un 8-Man Tag Team Match. Don Fuji, Masaaki Mochizuki, Takashi Yoshida et Yasushi Kanda. contre Ishin I Iyashi, euh, la Estrella, Strong Machine J et Takuma Fujiwara. Là, on est clairement dans un match expérience contre jeunesse. C'est les vieux contre les jeunes, ouais. ouais. Ça, fait quelques temps, enfin, ça fait quelques semaines qu'il y, qu y a une feuille de jeux, jeux contre vieux, en fait. Okay. donc c'est donc justement ce clan enfin euh, ce, ce genre de clan donc euh, des, des vieux donc euh, Mochizuki Fuji Kanda Yoshida qui genre tabassent les jeunes quoi ouais. donc, euh, donc, donc, donc oui donc, Fujiwara uh, Ishin Yashi uh, normalement il catch avec son frère donc qui s'appelle Riki uh, Yashi en tout cas là apparemment il est blessé apparemment okay. c'est ce que j'ai entendu donc euh, apparemment il est blessé il est pas là et normalement il doit y avoir aussi deux catcheurs mais ils ne sont pas là ils ne sont pas sur la carte c'est Shota euh, Shoya Sato je crois et Ryo Fuda okay. sont, qui, sont, qui, sont, qui euh, ils sont aussi des des jeunes qui ont commencé leurs trois mois et mmh. ils sont pas sur la carte, je sais pas pourquoi. Mmh. La Estrella qui était à Mascarade, exactement, ouais, ouais. c'est ça, ok. Euh, franchement, enfin, moi je connais alors les, les vieux de chez euh, Dragon Gate. Au final, je les connais pas tant que ça. Je connais Don Fuji, je connais Masaaki Moshizuki, euh, Yoshida. Je l'avais vu également dans, dans le jeu euh, Que je bah, je l'ai je l'avais vu. Sur le Japon, je pas trop de souvenirs de l'avoir vu. Je il a fait le Carnival ou... 2019. Euh, ouais, moi, je t'avoue, je m'en souviens plus. Et ensuite, il a fait équipe avec Gianni avec, avec, euh, Valletta. Ok, d'accord. Okay. Bon. Mais je, je me souviens de l'avoir vu. Il avait fait un match en, en début de carte dans le show qu'on avait regardé. Contre euh, Jasoni, je crois. Au ça a duré 5 minutes. Je, en je crois que c'est ça, ouais. Mais en tout cas, je me souviens de l'avoir vu. Euh, je connaissais pas Yasushi Kanda. Euh, mais j'ai trouvé le match plutôt cool. Euh, les, 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 les jeunes face en fait, qu'on les il, euh, c'est un peu ça, hein, mmh. euh, les ils euh, vieux, on va dire. Euh, C'était plutôt cool. J'ai adoré la bagarre entre Fujiwara et Fuji qui s'échangent des atemis euh. Fujiwara est excellent. Hein. Ouais. C'est une pépite. Hein. Lui il, il va vraiment exploser lui hein, il va vraiment, vraiment percer. Quoi. Mais clairement les quatre jeunes ont fait le taf parce qu'ils sont on, on les 4, mmh. les quatre. Je trouve qu'ils ont ils ont un, un bon talent. Strong Machine J. Donc Strong Machine J, le... il a été nommé euh, Rookie de l'année euh, par le Tokyo, euh, le truc, enfin le truc, euh, le, le Tokyo, euh, les, les prix de les, les awards de Tokyo euh... Sport, du catch quoi. Tokyo Sport, je sais plus c'est quoi le nom. Euh, oh, de bah je, Rookie de l'année, c'est euh, l'année dernière par Tokyo Sport, c'était Yuki Arai. De C'était euh, donc dans 2019 mille que euh, Strong Machine J a été a été nommé okay. euh, Rookie de l'année. D'accord. Ok. Qui Mais... est le fils du Strong Machine original ouais. de New Japan. Mm, mm, okay. Strong ok. Machine J, je le trouve pas ouf personnellement. Ouais, c'est peut-être le moins bon du truc, mais euh, dans l'idée, euh, moi, moi la Estrella, j'aime beaucoup. Euh... Même si dans le match, la Estrella fait un, fait un dive un peu dangereux. Ouais, je crois. mais Il ça se loupe un peu, ça, ça, ça me fait un, un, ouais, coup, euh, un peu grincer des dents. Ouais, mais ça, c'est très euh, Dragon Gate dans l'idée, c'est qu'ils foncent comme des buffs et puis du coup, bon, c'est vrai que... Ouais, ouais. Vrai que mais voilà, le match est bien vivant, euh, les heals, enfin les les d'expérience font très très bien leur taf, franchement. Euh... Ils mettent les, les, les jeunes over. Victoire de Yoshida après une grosse lariat sur Iyashi euh, J'ai mis demi C'était un, un bon petit match. Euh, ouais. uh, man, très euh, bien rythmé, ouais. ouais. bien rythmé, bien cool. J'ai pas le temps. Est-ce que t'as le temps devant les yeux 8 minutes 42. Ouais, donc très bien. Donc voilà, pour moi, je sais pas pour toi. Euh, non, moi je trouve ça aussi bien. Ouais. Sympa. Combien tu mets à peu près C'est un, un petit 3 de 5. Ouais ouais, ok, d'accord. Mais voilà, un bon petit match. Pas rattrapé, mais si vous voulez voir la jeunesse de Dragon Gate, pourquoi pas, limite. Euh, en vrai, c'était plutôt pas mal. Mochizuki est encore très bon. Hein, ouais, avec ouais, 5, ouais. 52 ans, il défonce tout. Bah, Mochizuki, moi, je le connais surtout chez Noah, quoi. Ouais, ouais. Mais, euh, mais oui, oui. Il est très, très bon. C'est vraiment le daron, en fait. Il, il, avec pareil Don Fuji, que j'ai vu aussi chez Noah, euh, lors du show junior. Enfin, euh, non, du show heavyweight, pardon. Enfin show où tout était mélangé. Euh, je l'avais vu aussi, mais il m'avait paru un peu moins bon là. Je l'ai trouvé bien plus à sa place. Donc, euh, c'est quelqu'un qui il est ok. Il est ok. Ouais, dire, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est quelqu'un qui a été plusieurs fois champion et tout ça chez Dragon Gate. Euh, en fuji je sais pas. pas okay. je crois qu'il a, a, été était Gate une fois. Je crois champion de Gate une seule fois alors. Ok. C'était vraiment au tout début de la fête. Ok, ok. Oh, oui, il a une bonne cinquantaine. Euh, 51 ans, je crois. 52 ans. Ok, ok. Ensuite, on avait. Euh... Alors là, je vais te laisser raconter un peu l'histoire si tu veux bien. Ouais. Ouais, ouais. On avait Jackie Funky Kamei et Madoka Kikuta contre Zeebrats, euh, Bibi Hulk et Yo. Donc vas-y, raconte un peu l'histoire. Donc Madoka Kikuta, c'était Hip-Hop Kikuta auparavant, qui s'était ouais. en fait blessé lors de son match l'an dernier. Ouais. C'était euh, jour pour jour d'ailleurs, c'était le 5 mai. Et en fait, c'était Dead or Alive. Euh, on, a, on en avait parlé avec. Euh, je sais pas si c'est pas avec toi, mais avec. J'étais pas là, j'étais pas là. Non. ouais, ouais. C'était celui avec le Catch Match. Mais c'est ça, c'est le dernier show qu'on a parlé avec euh, ouais. l'équipe de, de Pour Romania. Et euh, il était en main event contre Sean Skywalker. C'était pas en event, il était en, ouais. Il était en enfin, semi -final. ouais Oui, enfin, oui. Euh... Il, avait, il était dans le match pour le titre, quoi ça je veux dire. Oui, voilà, oui. <laughs> contre Sean Skywalker, c'était Ouais. Et euh, du coup, il se blesse au bout d'une minute 25. Il se pète au bout d'une minute 25, un move un peu bête en plus. Quoi. Ouais. Il tombe sur les il, 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 il se pète l'épaule quoi. Ouais. Et du coup, il est absent pendant un an. Mm. Et donc, euh, récemment, lors d'un house show, qui n'était pas, qui, qui pas diffusé d'ailleurs, euh, qui était dans la ville tas de, de Kikuta, Kikuta a fait son retour en attaquant ses anciens membres, ses, ses anciens potes D'Aredi qui sont maintenant ouais. Donc, il a 14 sur ses anciens potes. Voilà qui donc sérinait, mais en mode modo okay, Kikuta. Ok, ok. Mais et et tout l'histoire de, de ce match là, c'était lié à ce match là clairement. Euh... Ah, la, la blessure parce que oui, fin, ouais. dès le début, un Kikuta bump sur le sur, sur l'épaule et fait genre il est blessé en fait. Non, il, il se relève et puis en fait il, en, il pas de la forme et tout. C'est ça. Et puis bah clairement et Yo s'attaque à son bras euh, rapidement ouais, quoi. Ouais, hein, ouais, il s'acharne ouais. dessus et et, et c'est ça et, et le match tourne autour de ça. On a la domination de Zibratz, euh, Zibraz domine directement le bras et Yo euh, attaque le bras de Kikuta. Euh, plus tard, on a le retour de Kikuta avec des hip attacks Les hip attacks pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est des coups de fesses, tout simplement, à la ça. manière de Asuka chez WWE. Mm. Euh... Euh, pour, un, pour, pour une autre, si, si, si ça s'appelait hip c'était par rapport à ses fesses. Ouais. Ok, d'accord. Parce qu'il faisait les, la hip attack quoi, du coup. Exactement. Ok, d'accord. Okay. Il passe la main à son coéquipier Jackie. Alors juste Jackie Funky Kamei c'est qui par rapport à, K à Kikuta euh, Bah ils sont, ils sont, ils sont de la même, euh, de la même on va dire, de la, génération va dire. quoi. De la même, euh, non, il y a un mot pour ça, euh, de la même, de, de la même crue, on va dire. Ouais ouais. <laughs> de, même génération quoi même, euh... Oui même génération. Euh, c'est la, la génération où tu où as eu SB Kento ouais, okay. euh, donc, donc Kikuta Kamei et euh, je sais plus c'était qui le, le dernier, il y avait d'autres, mais je sais plus c'est okay. qui. Ok, donc ils ont grandi en même temps en gros. Et, euh... non, et en, entre temps, Camille a, a rejoint Natural Vibes. Ouais, ok. Donc Camille est actuellement de na à Natural Vibes, c'est ça Ouais. Ouais, ok, d'accord. d'ailleurs a eu un excellent match contre SBK, une petite Bravigate, excellent. Ok, ok. Et Kikuta actuellement, il n'a pas de faction Il a pas de faction pour l'instant. Ok, ok, ok. Euh, on a un drop to de Yo sur Kikuta qui vend son bras, mais en fait ça va. Celle-là, c'est sur ce spot-là où il tombe oui, oui. sur son bras et en fait, il dit non, ça va. Euh, j'ai noté, j'adore le storytelling sur le bras. Oh, bah, si, vu que tu m'écoutes bah, un ouais, peu, tu sais, justement, tu sais que j'adore ouais, ça. Quand j'ai vu le match justement, je pense à toi. J ai, j ai, j ai vu... Ah, il y a du storytelling sur le bras, il y a du travail. Donc, ça, ouais. ça va forcément lui plaire. C'est clair, c'est clair. Euh, j'ai noté que Bibi Hulk. Alors, je le vois très peu, mais dès que je le vois, je le trouve très bon. <laughs> c'est hallucinant. Il euh, y a des bons enchaînements de kicks, etc. Il y a un double super kick qui permet à Zibrat de gagner le match. Euh, le un... flash, je crois. Ah non, le first flash, oui. C'est ça, de... ça euh, okay. Le kick de, de Yurk, ouais. Ok. Euh, J'ai noté que c'est un bon match, mais un peu trop court. Ça, ça aurait mérité un peu plus de temps. Moi, je m'attendais à voir qui à gagner, justement. Ouais. À, à Pin, Jorio, je pensais, moi. Ouais. Est-ce que l'histoire, c'est de montrer qu'il n'est pas encore prêt euh, King of Yetu ce matin, il s'est passé quelque chose. Voilà. D'accord. <laughs> Ok, bah on va en parler après. On va en parler voilà. après du, du King Tu écoutais d'ailleurs, c'était pas vraiment son tour parce qu'il avait fait un match Un, un match d'exhibition de 5 minutes. Ok, okay. Ils, ils font souvent ça avec, avec les gens qui reviennent de blessure genre Bibiol, quand il était revenu en 2019, ils avaient fait un, quelques matchs d'exhibition où ils faisaient des matchs de 5 minutes, pour, oh. pour le remettre un peu dans le banc. Ok, ok. Bon, moi j'ai... Est-ce que t'as le temps devant les yeux 7 minutes 5. Ouais, voilà, moi j'ai mis 3, j'aurais bien voulu un 10-12, en fait, dans l'idée. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Euh, j'ai mis 3, c'est un bon match, hein, mais euh, mm. 3, 3, 3, 3, 3, 25, euh, voilà. Euh, Est-ce que tu as un truc à dire plus euh, sur le match ou? Euh, bah, alors, Kikuta, il est il est très bon en fait. Hein. C'est ouais. dommage que son match n'ait pas duré plus longtemps avec quelqu'un parce qu'on aurait vu à quel point le mec qui est bon en fait. Ouais, surtout qu'à l'époque, moi, j'étais, tu m'avais hypé un peu pour ce match-là. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais été extrêmement déçu, mais par ouais, défaut. Pareil, pareil. Hmm. Mais ouais. Mais non, mais je pense qu'ils vont faire quelque chose de Kikuta. J'y crois, moi. Je pense. Moi aussi, j'y crois, vu, que, vu ce qui ouais. se passait ce matin, justement. <laughs> je connais pas les résultats, donc tu vas, tu vas me les dire. Le dire. Ah, tu veux que je te spoil, le combat, d'accord. Oui, oui, bah je, je t'avoue, je sais pas. Je pense que j'ai essayé de rattraper. Si tu me dis il y a un match à voir, j'essaierai oui. de le rattraper. Oui. Mais euh, c'est vrai que ça va être très chaud pour moi de suivre le King of Gate avec euh, le best-of, là, en ce moment. J'imagine, ouais Ça va être très chaud. Natural Vibes, Genki, Ori, Gushi et Jason Lee. Jason Lee qui était également un ancien de Mascarade, si je ne dis pas Exactement, dire. en fait, alors, pour un peu l'histoire, en fait, quand le clan a implosé donc Mascarade, parce que donc, chose' a, a trahi ses coéquipiers pour Jean Reddy, Kota Minora, donc, a aussi pété un câble et a rejoint le, clan, le nouveau clan de Narokadok, donc, euh, de cla euh, de classe, pardon. Ouais. Et donc, donc en fait, euh, euh, comment dire, Jason Lee s'est un peu trouvé tout seul et euh, à un moment. Il y a trois clans qui s'intéressaient donc Zibrats, euh, end et donc Naturalize. Et donc en fait, euh, vu que ne que c'est pas qui rejoint, eh ben, en fait on annonce un, 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 un freeway six man tag match. Ouais. Euh, en gros pour la, pour la garde de, 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 de Jasoni en fait. Ouais. Et enfin, ce qui est intéressant c'est que c'est que genre je, je qui veut absolument voir euh, Jasoni rejoindre le, le clan parce qu'il disait que tu étais dans ma scar avec moi donc, donc tu es à moi tu m'appartiens mmh, mmh. Ok, Ok. Et donc et... Euh, lors de ce lors de ce free wet acting match en fait euh, qui s'est fini en au contest d'ailleurs ouais. <laughs> parce que alors je crois que Yamato, Yamato de hayen se fait se fait dégager et ensuite il y a un double pin je crois okay. donc ça finit en au contest et donc Jessenick doit choisir quelqu'un et, et il choisit reprendre. Natural Vibe alors au début on, on pense qu'il va rejoindre Zibrat parce qu'il faut savoir que dans, dans ce show là Jasoni a fait un match solo contre Ooloon oh et dans ce match, uh, Jasoni triche, il fait un logo à Ooloon oh pour gagner en fait. Ok. Donc, tout, tout le monde pensait qu'il allait tourner et en fait pour rejoindre Tibrats. Euh, en fait non. Au un mm -hmm. moment en fait, euh, il fait un super kick à Shawn, euh, et Il lui dit en japonais parce qu'il faut savoir que Jasoni est, est Hong Il lui dit en japonais euh, okay. je, ne te "Je ne te rejoindrai pas parce que je vais rejoindre Natural Vibe." Ok, ok. Et juste pour info, Natural Vibe, c'est le gros clan de Babyface ultra ouais, euh, ouais. coloré qui danse. La, danse la, la et la et pleure, et ouais ouais ouais. ouais. Ça ils mettent la pêche il la pêche ouais c'est <laughs> clair c'est clair c'est clair et euh, Genki Origuchi c'est quelqu'un tu vois que je bon, je regarde très très peu Dragon Gate mais dès que je tapais Dragon Gate je tombais sur sa tête à enfin, lui ouais, ouais on le voyait partout un à un moment ouais, mmh. ouais est... il est là depuis je sais pas combien de temps c'est d'ailleurs le bouqueur de... de la fête ok ok mais en plus il a une tête qui est très reconnaissable là j'ai pas ouais, la ouais, photo ouais, ouais, mais ouais. si vous tapez Genki Origuchi vous allez vite voir sa tête et si vous avez déjà vu il était d'ailleurs dans le six de... Man à la il était dans le Sixman à d'ailleurs ok le gros sick avec Shima et tout ça, ouais. et tout ça qui, qui, qui a fait vraiment le buzz à l'époque Effectivement, t'as raison Et donc ouais, si vous tapez son nom Vous allez euh, reconnaître sa tête je pense Et donc euh, ils étaient accompagnés de Punch Tominaga Alors oui, et... il remplaçait donc Miboshi Qui était blessé Ok, et Punch Tominaga c'est quoi C'est un ancien aussi qui revenait exactement, oui. exactement. exactement Exactement, exactement ouais. C'est ouais. un, un ancien membre de Natural Labs, en fait Ok Il était dans le clan avant la séparation Où t'as vu, euh, où as vu les, les deux clans là le... Toriumon et ouais. Dragon Gate, en fait. Ouais Ok, d'accord. Juste avant donc que était dans notre Ok, ok. Et donc là il revenait. Donc, donc logique euh... qu'il fasse équipe avec, euh, ouais. avec ses, avec son okay. avec ses, Mais le, ses anciens. Mais le public était plutôt content de, de le voir. Oui, quoi, oui, oui, oui. Et il faisait face donc à High Hand, euh, Benkei, euh, Kagetora et Keisuke Okuda. Eux c'est la faction de brut un peu, non Enfin je sais pas moi je trouve c'est l'attitude qu'ils ont. Une euh, ouais, attitude un peu... Que... Non, je trouve I End un peu insignifiant. Ok, ok, ils sont vraiment interchangeables, quoi. D'accord. Ok. Mais je te dis ça parce que moi la dernière fois que j'avais vu au Cuda, c'était plutôt ce côté-là qui m'avait sorti de là et Benkei. Bon, ça reste un excellent catcher. Ah oui. Mais voilà. Kagei je connais beaucoup moi par exemple. Mais voilà. Il est vraiment bon Kagei très sous-côté d'ailleurs. Ouais. Ok. Très sous-côté Dragon Gate Ok. Euh, rapidement, High End prend l'avantage sur Punch, Tominaga, qui est clairement le, le, moins, euh, on va dire le moins prêt pour ce combat, on va dire ça comme ça. Ouais, ouais. Euh, C'est comme ça qu'ils expliquent un peu le, la, la, la domination de High Hand. Euh, J'ai noté le charisme de Benkei est incroyable, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Euh, il est, le mec est hyper charismatique. Je, je, je comprends même pas pourquoi, euh, peut-être qu'ils ont essayé et que ça l'intéresse pas, mais euh, une grosse compagnie comme du Japon n'est pas essayé de l'avoir parce qu'il est petit. Ouais, mais bon. Il est petit Benkei il fait 72. Ouais, mais pour ta division junior, un mec comme ça, c'est intéressant quoi. Mais bon. Un petit Benkei Romu. Bah ouais, mais en vrai, il y a tellement de talents chez Dragon Gate que t'as envie de les voir. C'est dommage qu'ils fassent pas plus de enfin, ils ont un partenariat un semi-partenariat avec Noah qui est tout voilà. Mais sinon non, ils ont ils sont pas trop de avec avec les promotions japonaises, il y a quelques catchers quelques catcheurs qui vont faire quelques pièges à droite à à gauche chez JRD ou quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils font, font très peu de, très peu d'échanges ou quoi en fait au C'est ça. Tominaga arrive à prendre l'avantage avec un coup de tête, il passe la main à Jason Lee avec des putains d'enchaînement, ça c'est ce que j'ai noté. Et Sony ouais. Ouais. Échange rapide entre Okuda et Tominaga, mais Okuda prend son adversaire dans un slipper Hold et ce dernier abandonne. Euh, j'ai même pas mis de note, mais je dirais un 3 aussi dans le délire. Oui un petit 3, allez. Ouais, ouais. C'est un mode champ hein, en vrai. En vrai 6-38 la, la durée. Ouais, voilà, mais c'est ça, ça le truc, c'est que les matchs euh, à plusieurs au début, ils sont pas longs donc ça passe vite en fait. Ouais. Pas le temps de t'embêter. Hein. Si... qui Enfin, la, 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 la blague du match, c'est qu'en fait, euh, il, 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 il a joint une, 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 une calvitie Ouais, donc, il essaie de la cacher en fait. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça aussi que le, que le public chante H.E.J. Parce que ça, c'est le, le chant de Genki Origuchi en fait. H.E.J. Qui, qui veut dire agé, qui, qui veut dire chauve en japonais en fait. Ok, d'accord. Okay. Oui, parce que je, aussi chez, Didi, chez, pardon, chez Dragon Gate, euh, même s'ils n'ont pas encore le droit de gueuler, ça crie un peu plus qu'ailleurs, je trouve. Oui, oui, oui. Ouais. Quand même, oui. Un, un peu plus. Par exemple, quand tu as Dragon Direct qui perd et qui leur retirer son masque, le public est vraiment estomaqué quoi. Ah ouais, gueule ouais. et tout, euh, ouais, hein, ouais. Ouais. Ils sont un peu plus rebelles chez, chez, Dra ouais, chez Dragon ouais, ouais. Gate. Un peu. En même temps, ça fait plaisir, quoi, quand même. Ouais, bah, j'espère que ça va revenir, ça. C'est clair, c'est que... clair. On va enchaîner du coup avec un match. Cette fois-ci, j'ai la photo. C'est pour le titre Twin Rio Tag Team Title. Euh, Qu'est-ce que c'est le titre Twin Rio Donc, c'est euh, euh, donc, 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 les titres tag donc de de, Ryuku, de Ryuki, pardon, Dragon Pro Wrestling qui est en fait une, une promotion un, un en japonaise avec laquelle Dragon Gate donc est en partenariat donc il y a des catcheurs donc de Rio euh, Dragon Pro qui viennent chez Dragon Gate et des catcheurs de Dragon Gate qui vont aller, qui vont cacher là-bas. Okay. Donc une là en fait inconnu à mes yeux. Enfin, ouais enfin Très peu connu quoi Ouais Il y a Liger Je crois qu'il avait fait Une pige là-bas pour, euh, pour, pour sa tournée De retraite Je crois Ok C'est tout enfin, C'est vraiment L'achievement C'est vraiment, euh, achievement vraiment euh, qui... <laughs> Ils ont eu Liger quoi C'est ça exactement <laughs> C'est ouais. très bien bah, ouais. race, on, 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 on a eu Liger Ouais c'est clair Et donc ouais Donc là Casey donc, et Uti Ont pris les titres donc, De Reliquat Dragon Pro Et donc là Ils vont les défendre en fait, euh, Ouais C'est ça Et ils les défendent Contre euh, des catcheurs Expérimentés Si je des dis vétérans, pas de bêtises ouais. Des vétérans euh, Mais, même Casey, hein, c'est un vétéran, c'est en ouais. tant qu'il est là. Ouais, ouais. Moi, j'avais vu, euh, vu le match de Casey parce que si, alors peut-être que je dis une connerie. Il gagne le King of Gate l'année ouais. dernière, c'est ça Exactement. Ouais. Et j'avais vu son match pour le titre, c'était contre qui Sean Skywalker Walker Skywalker, j'avais, ouais, c'est ça. C'était incroyable. Un enfin, très, ça, très bon match. C'était ouais. un match de l'année 2021. Ouais, là. ok. Moi, j'avais mis 4,5 et je crois, dans mes souvenirs. Mais c'était un, bon, un très bon, très bon match, hein, sans aucun doute. Ouais. Euh, donc, du coup, ouais, donc Dragon Kid et Yamato. Euh, donc euh, deux vétérans, Dragon Kid c'est fou parce que le mec il a quoi Il a 50 ans an 45 ans. Et il, 45, il, a il a un physique de ouf hein, je trouve. Bon il est sec ouais, hein, mais ouais. il a un putain de physique pour son âge. Mm -hmm. Il est toujours aussi fort. Euh, le, ouais. le, le, le premier gros match que j'ai vu de Dragon Gate, moi c'est Pac contre Dragon Kid au, au deuxième round de Pack. Ouais. Un très très bon match. Euh, donc euh, ça fait partie des mes premiers matchs de Dragon Gate que j'ai vu au complet. Euh, hum. Comme quoi les Gaijin ça aide aussi à, à s'y intéresser, c'est vrai, ouais. C'est un peu grâce à, à Dragon Kid, pas de, de ce qu'il est aujourd'hui, c'est clair, c'est clair, euh, effectivement. Euh, le début de match est classique mais très propre. Et I.N. finit par prendre l'avantage grâce à Yamato et un topé de Dragon Kid en dehors du ring. Euh, et bah voilà, j'ai mis Dragon Kid, c'est fou le physique pour son âge. Hum. Domination de High End sur UT. On a un jumping neckbreaker et, un... et Casey euh, rentre dans le ring et porte un super facebuster sur Dragon Kid. Euh, Ollun parle de Tozawa euh, ça c'est pour les commentaires anglais, mais Ollun ah, ouais. parle de Tozawa et le félicite pour son mariage avec Tamina. Ça m'a fait rire. <rire>, <rire> ça m'a fait rire. Oh, ah ça je la prends parce que sauf ouais. que moi j'ai regardé ouais. avec euh, le commentateur japonais. Enfin, je, je, je préfère de base euh, écouter avec le commentateur japonais parce que je préfère m'imprégner vraiment euh, de, mm. de, de, de l'ambiance du, du truc quoi. Mm. Mais voilà, mais moi ça m'a fait rire quand à O'Loon qui, remercie... enfin, qui félicite Tozawa pour son mariage avec Tamina. Mmh. Et je crois qu'il dit un truc du style J'espère qu'il va pas divorcer tout de suite ou un truc comme ça. <laughs> Parce qu'il faut, faut peut-être le dire c'est que Akira Tozawa, qui est maintenant chez WWE, a été une grande grande star de Dragon Gate. Grand vétéran de, de, ouais. de, de, de Dragon Gate, ouais. Ouais, ouais. Il a eu un grand match contre. Takagi je crois pour le titre Open Dragon Gate était vraiment incroyable celui-là ok ok mais il faudrait que je regarde un peu j'ai jamais vu Tozawa chez Dragon Gate tu vois. Mm. faudrait que je regarde un peu bah, ça se tombe bien ouais. puisque maintenant tu as le Dragon Gate Network ouais <laughs> effectivement, effectivement. Euh, d'ailleurs il y a quelque chose il... qui traîne hein. c'est ça et je crois que c'est après ce match-là qu'il y a eu un match qui a été diffusé en... de Shingo Takagi contre euh... Euh, pendant le live en fait euh... oui un... c'est pendant la pause oui ouais, à, à, la à la pause pose, du... il, diffuse un... il diffuse un match, euh, un match euh, enfin, qui, qui date de quelques années ouais, ouais. et c'était Shingo contre je sais plus qui plus, euh... je sais pas non plus Benkei je, je crois non parce que c'était en non. Non, non, euh, Benkei quand quand il y a Shingo Benkei il, il est pas encore non, alors c'est pas Benkei mais c'est Bibi peut-être Naruki Doi peut-être ouais peut-être je sais <laughs> Il bon, y avait Shingo Il voilà. euh, y a un enchaînement de Natural Vibes Mais Yamato euh, Nearfall, on a un Super Frankensteiner De Dragon, King, de Dragon Kid pardon. Euh, Quand je dis Super Frankensteiner C'est tout simplement que euh, euh, y, euh, donc, Yamato porte un des euh, Je sais plus lequel des deux euh, Soit KZ ou Yuti sur ses épaules et Dragon Kid euh, euh, saute de la troisième corde pour faire un Frankensteiner sur l'adversaire qui était sur les épaules de son coéquipier. Donc euh, oui. la hauteur est impressionnante et le move est vraiment très impressionnant. On a un Hurricane Rana avec Tombé mais intervention de UT. On a un crucifix bombe de Dragon Kid mais intervention de Kazy. Euh, après un enchaînement très cool, euh, belle victoire de UT sur un enchaînement de tombée rapide, donc victoire ouais. en roll-up, mais ça marche très très bien avec le combat. Euh, C'était un vrai bon match par équipe, premier match, enfin euh, oui. euh, deuxième match à recommander, je pense, dans ce c'est C'était chose qui se connaissent très très bien, donc c'est un peu normal que ça soit un très bon match quoi. <laughs> Effectivement, j'ai mis 375. Voilà, un vrai bon match. je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Est-ce que tu as un truc à rajouter ah, Non, enfin, c'est quelque chose excellent aussi. Hein. Yuti, enfin, avec les rebuts, enfin, je crois que c'était pendant Des Live aussi l'an dernier où il avait un match contre Kuda que, que faisait beaucoup, mais je crois. Ouais, je, ouais, je m'en souviens de ça. ouais. Breguette, ouais. Effectivement. Non, non, mais c'est un style est un pff, super pff, hein, bon. ouais, oh ouais, Il a un style assez particulier aussi, je trouve. Euh... Euh... Assez Ozawa pour le coup, Kazy, je trouve. Kazy, Ouais. ouais. <laughs> ouais. Euh, mais non, mais euh, vraiment un bon match à conseiller. À conseiller. Mm. Euh... Et là, on arrive à mon match préféré de la soirée, je crois. Aussi, <laughs> euh, je vérifie mes notes, mais c'est ça, effectivement. Euh, donc, Open the Brief Gate uh, Title Dragon Dia contre SB Kento. Et clairement, là, on a mes deux préférés euh, de Dragon Gate. Hein, je vous le dis, c'est euh, mon heal préféré, mon face préféré, du coup. Euh, <laughs> avec euh, Dragon Dia, euh, donc euh, de l'équipe D-Courage. C'est ton heal préféré du Japon, ouais, SB Kento. Du euh, Japon ou de, de, de Dragon Gate Non, Dragon Gate. Dragon Gate. Ah ouais. non. Euh, du Japon, euh... ouais, tu me diras du Japon. Euh... Des villes <laughs> Bah après, moi j'en ai un qui me vient en tête, mais c'est un gaijin. Willow Spray par exemple. Okay. Euh, mais c'est un gaijin. Si tu parles des japonais-japonais, c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus de 15 000. Euh, qui m'intéressent. Je ne vais pas parler des villes ou de show, par exemple. Euh, <laughs> comme ça. Comme ça, il n'y en a pas non plus 15 000. Euh, Est-ce qu'on peut es... que es compter encore Taichi comme Bah Oui, mais je préfère, je préfère SB Kento à Taichi. Quoi. Franchement, SB Kento, tu m'en as, as parlé il y a deux ans de ça, je crois. J'en ai beaucoup var. parlé, ouais. J'ai fait chier beaucoup de monde avec ce ouais. so catcher, ouais. fin, fin 2020, je crois que tu m'en as parlé. Et puis, j'ai été voir par curiosité, soyez curieux, c'est pas mal. Et euh, oui, et quand je l'ai vu, je, fais... oh, je comprends. Et surtout quand tu vois son âge, Il là, a là, quoi Il a 23 ans maintenant 22 ans. 22 ans, ouais. Et euh, ouais. super catcheur, quoi. S'il prend pas le titre principal un jour ou l'autre, je comprends pas, mais il va mm. le prendre, c'est sûr. Ah, Genre, oui, il... évidemment, j'ai aucun doute là-dessus. il enfin, a le temps, en même temps, le mec il a, <laughs> il a besoin de deux ans, quoi. C'est clair, clair. Ouais, Et Dragon Dia, et on en a parlé tout à l'heure, mais il est aussi tout, tout aussi fantastique. Mm. Euh, je l'ai pas assez vu quand il était masqué, mais déjà, tu m'en as... parlais en bien quand il était masqué. Ouais. Mm. Donc, euh, ouais, mais euh, ouais bon, un super combat. Alors bon, un peu de play-by-play -play -play à nouveau parce que c'est passé beaucoup de choses, mais bon voilà. Ouais. Euh, le match part... ça va demi-heure quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le rythme t'es fantastique. Quand on parle de match Dragon Gate, c'est ça qu'on a envie de voir quoi. Clairement. Le match part rapidement avec des gros enchaînements. Domination de Sb Kento avec toute son attitude de petit con. Euh, retour <laughs> de Dragon Dia avec son Fighting Spirit. Euh, Dragon Dia revient avec un Head Scissor, un, un loblo de SB Kento quand l'arbitre a le dos tourné. Euh, SB Kento veut porter un Power Bomb en dehors du ring euh, sur Dragon Dia, mais ce dernier contre, et on a une Quebrada, donc euh, une Quebrada c'est une, une, un Hurricane Rana un peu, mais ils appellent ça comme ça, euh, de Dragon Dia. On a des échanges de coups, échanges de roll-up avec des folles. ça va dans tous les sens, hein. c'est roll-up euh, rapide où, où l'arbitre fait un tac, un tac, un tac, et ça c'est toujours bien. On a 450 de Dia contré euh, par SB Kento, soumission de SB Kento contrée en Inside Cradle de Dragon Dia, c'est un folle. Tricherie à nouveau de SB Kento avec l'aide du coin. On a un Vampire Scissor, alors Reptilian, est-ce que c'est un nom de prix ça aucune oh, idée enfin les, les, les noms de prises euh, desquels je change alors je retiens jamais moi c'est l'une des raisons que j'écoute en anglais c'est que j'arrive à entendre le nom de prise tu vois mais ouais, j'ai ouais. entendu <laughs> Vampire scissor et reptilian je sais plus ce que c'est exactement je m'en excuse nirfoll on a une snap German Suplex de sb kento c'est un nirfoll de dragon dia on a une sorte de brainbuster j'ai pas le nom euh, nirfoll à nouveau de la part de dragon dia euh... c'était pas un espèce de, de, de dvd non enfin, ouais euh... mais si finit un peu en brainbuster c'est genre Death valley driver et brainbuster Ouais, ouais, ouais. Mais il le lève. C'est un peu comme mm. le, la prise de... C'est Nakajima qui fait ça, je crois Katsuiko euh... Le, le, le vertical Spike ouais. 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 Je crois que c'était un truc du style. Je crois que c'était un truc du style. On a une, une espèce... Alors j'ai appelé ça comme ça, mais c'était une shutdown suplex. C'est la prise de, de Kento Miyara. Euh, euh, C'est SB Kento qui fait un peu la même. La ouais, German ouais, ouais. avec les bras main hein. là, la shutdown souplex, ils appellent ça comme ça pour, pour Kento. Euh, Nirfol à nouveau de Dragon Dia, donc on a vraiment, vous avez compris l'histoire, même si vous n'avez pas vu le combat. Dragon Dia, Nierfall surtout. Mais c'est aussi mm -hmm. son côté Fighting Spirit, combatif et tout <coughs> ça, et ça marche bien. On a beaucoup d'enchaînements de, avec des grosses vitesses, des kick-ups de partout, et à la fin, on a un gros crucifix bombe pour la victoire de Dragon Dia. Euh, J'ai mis gros gros match, super victoire de Dragon Dia, euh, meilleur match de la soirée, match à rattraper sans aucun doute. Euh, si vous voulez voir pourquoi je m'intéresse à Dragon Gate, c'est avec ce match là. C'est la raison, oui. Déjà avec le match tag, vous allez comprendre un peu, euh, l'opener qui, qui est gratuit. Mais si vous avez aimé l'opener qui est gratuit, allez voir ce match, par n'importe quel moyen. Euh, J'ai mis 4,5. Voilà. Un gros gros combat. 4,5 mmh. euh, aussi, oui. Ouais, ok. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé du combat c'était un... un truc de malade. Hein. Ouais. C'est <laughs> pour ça aussi que tu regardes Dragon Gate, j'imagine. Ah oui, c'est pour ça, c'est complètement. C'est trop fou. Il euh, y, un... y a un spot qui a... qui a buzzé sur les réseaux aussi. C'est un moment où ils, ils te font un roll-up, enfin, ils... une espèce de roll-up. En fait, ils sautent et les ouais. mecs décollent... décollent du sol. quoi C'est impressionnant quand ils ouais. tu... le font ça. Mm -hmm. Non, mais il y, a... y a plein de trucs en fait qu'on ne voit pas ailleurs, même, même dans la division junior je trouve. Alors, il y a certains. Il y a certains catchers chez New Japan qui sont capables de le faire, hein, euh, sans aucun doute. Euh, des Romu euh, pareil, il, il, Hiromu, il a été au Mexique, donc il a ce style-là aussi. Hein, pour le coup, Hiromu ressemble beaucoup à ce style-là, mais eux, ils ont un côté vraiment euh, athlétique et puis le, avec le mélange de... Le, le super travail de Hill, de SB Kento, en fait, ça rajoute aussi du storytelling et t'as un gros mélange qui est, qui est hyper intéressant. Quoi. Mmh. Donc, est euh, donc voilà, je ne sais pas si t'as un truc à rajouter, mais... Il euh, y a aussi un peu, un peu triche je crois, dans le match aussi. Hein, mais ouais. Encore une fois, c'est vraiment par par ça quoi. Ouais. Ça te gâche pas le match quoi. C'est ça et puis c'est pour faire de la hit sur Asbekento donc euh, dans ah, l'idée. Ouais. Euh, moi mmh. ça me ça me dérange pas et ouais, je trouve ça très très bien. Donc euh, voilà quatre ennemis pour moi. Toi, toi aussi à et ennemis. Oui. Pareil, ouais. Ouais. Ok 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 mais un très très bon match. Euh, surtout ne passez pas à côté. Voilà. Le match d'après, c'était le match pour le titre Open the Tryon Gate Title Gold Class, Kaito Ishida, Kota Minura, accompagné de Minorita. Tu vas oui. y revenir là-dessus. Oui, exactement. oui je, 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 je. Et Naruki Doi euh, contre Los Perros del Mal, des Rapones. Et ceux qui étaient, en, en tout cas pour Kotaro Suzuki, Nozawa Gai, encore de Noah à ce moment-là, je crois. Euh, et ils étaient accompagnés bien sûr de Eita. Alors je dis à ce moment-là parce que je crois qu'ils étaient encore officiellement chez nous et c'est après que ça a été dit qu'ils ont rejoint Dragon Gate du coup. Le lendemain peut-être Ouais. ouais parce le lendemain, que... ils ont été ajoutés à la page de roster en fait, ouais. de Dragon Gate. Ouais parce qu'on va le dire. Hein, est... On est aussi directement à l'annonce en fait, de la fin de contrat de roster, donc vu que Suzuki était été, a été du coup bah, il, a, il a suivi aussi va, du coup. Ouais ok parce que du coup L'Osperos Delbal qui était un, un clan quand vous avez déjà entendu parler si vous écoutez Pour Omania euh, mais si c'est la première fois Peut-être euh, parce qu'on parle de Dragon Gate <laughs> Déjà bienvenue à vous hein. On sait jamais il y a peut-être des fans de, de Dragon Gate Qui disaient il n'y a pas de ah ouais, podcast hein sur Dragon Gate Et bah voilà maintenant ça sera le cas Donc, euh, donc voilà on fera les gros shows hein, de Dragon Gate On fera pas tous parce qu'ils font 10 000 shows à Dragon Gate il hein, ouais. si, faut faut une chaîne que sur Dragon Gate à ce moment-là <laughs> <laughs> Dragon Gate mania en fait. <laughs> <pas vrai. rire> mais du coup bon mais euh, mais ouais et l'espérance d'El Mal qui était donc une une, une faction créée par euh, Nozawa guy en, en hommage à Perro Aguayo Junior Perro Aguayo Jr., qui est malheureusement décédé Conrady Mysterio sur un ring au Mexique, oui. euh, donc euh, et euh, Nozawa qui était dans le, le Los Perros del Mal or, original. C'est pour ça qu'il avait, euh, je crois que c'était ouais. ça l'histoire. Oui a, oui c'est ça. Oui en fait il a demandé les droits. Je ne sais plus à qui il a demandé les droits. À la à, famille. À, quoi. Oui à la famille. Oui puis là il a eu l'autorisation de il a pu faire une version ouais. japonaise de. Ouais. Mais Nozawa alors moi c'est un capture que la première fois que j'en ai entendu parler c'était le créateur de Glate, enfin un des créateurs de Glate au tout ouais. début. Et quand j'ai dit donc euh, nous avons donc qui fait partie du, du bureau de, 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 de Glate, euh, Saru il m'avait dit à l'époque bah, c'est déjà fini. Voilà, il a quitté. Ouais, donc, ouais. Il a fait un combat, je crois. Il a fait Glade version 0, je crois. Après... Il a fait un combat contre Kei, euh, Kazayashi. Ouais. Et ensuite, il est parti. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, et après, il a rejoint Parce Noah. Parce que je crois que c'est le moment où il a, où il a reçu l'offre. Je crois qu'il a un Booker à la Noah. Ok, ok. Et donc... Alors, je dirais une bêtise. Ok, non, mais oh, pas de problème, t'en fais pas. Euh, et après, donc, il a rejoint Noah pendant deux ans, là, où il a été Booker, à peu près. Et euh, bon, il a, il a fait des shots de Booking très euh, particuliers très très bonne année 2020 mais ensuite euh, euh, catastrophe ouais t'as raison t'as raison 2020 franchement il y a peu de choses à dire sur Noah en vrai quand tu y réfléchis t'as là euh, comme dirait Macron euh, Noah finito Fisito, ouais, 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 finito ouais moi c'est <laughs> terminé Noah c'est foutu, foutu hein <laughs> toi t'arrêtes Noah tu suis plus euh, oh, si si j'en ai ah. encore mais pour moi la, la, la fin la, la promotion est foutue c est... C est, c est... Enfin... je sais pas j'attends de voir pas, je vais pas je ça peut partir tu vois en plus avec ce qui se passe actuellement avec Nujab avec euh, Ibushi tu sais il peut avoir oui. peut-être des gens enfin bon quand c'est pour ça que je dis que Dragon Gate c'est le moment d'en parler parce qu'ils ont un truc à jouer eux ils ont un putain de truc à jouer alors bon en espérant que nos Awarangai en se mettent pas dans le booking <laughs> je prie aussi tous les saints tous les dieux de des cieux, de, 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 etc pour ne pas avoir putain de super de super crazy dans Dragon Gate la, 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 parce que lui il est vraiment mauvais quoi ouais c'est un chier quoi vraiment ouais. mais pour le coup euh... c'est dommage d'ailleurs que que Yoé se soit fait euh, se soit jeter de, et de parce que si on aurait Yoé à la Dragon Gate franchement c'est été ouf. Hein. T'as raison as parce raison. Que, parce que parce qu'il faut savoir que Yoé c'est un, un rookie de Dragon Gate à la base. Mmh. Mmh. Il s'est fait, fait virer parce qu'il a parce que c'est lui en fait qui avait fait euh, qui avait euh, l'affaire du singe. Ok. <laughs> ok effectivement il y a eu une affaire euh, comme ça. Et euh, mais ouais mais Aita donc Aita qui était toujours en contrat avec Dragon Gate l'ancien hein, un, un, un membre de RID qui a eu sa, sa petite pige du côté de chez Noah par rapport à mmh. del Mal. Tu penses que ça, c'était prévu prévu, prévu d'origine de. Que del Mal allait un jour ou l'autre euh, arriver chez, euh, chez Dragon Gate Absolument pas. Non Ok. Pas pas enfin, moi, je ne l'imaginais pas du tout. Ouais. Et toi, tu enfin, penses, toi, tu j'me, penses j'me que ça, ça s'est fait pour... Aito, il avait envie de faire une pige chez Noah, il est allé, et puis au final... Ben, euh, euh... C'est surtout que Noah a Noah, une relation avec, avec Dragon Gate, ça, on sait. Grâce surtout à au Amazon Prime japonais, en fait. Ok. Parce que pour Amazon Prime, en fait, alors chez nous, il y a du football et, et là-bas, en fait, au Japon, il y a du cash. Mm -hmm. Donc là-bas, ils ont, ils ont des shows avec, avec des catchers, enfin, interpromotion, promotion en fait, qui s'affrontent. Ok. okay. Donc là, euh, chez Gate on, on, on a eu un match sponsorisé par, euh, par Amazon Prime, c'était, pour les sites Wingate, c'était Keno et Ao qui étaient euh, Ouais, c'est ce match-là. Où... Shimizu et Susumu. Ouais, c'est ça, c'est ce match-là où pour la diffusion euh, pour nous, euh, dès que Keno était dans le ring, c'était pas diffusé, hein, c'est ça euh, Alors, le match a été diffusé sur, sur son network son en fait. Ouais, mais je crois qu'il y avait il y avait un match où il y avait Keno dans le match et Saru m'avait dit que à Dragon Gate, dès qu'il était sur le ring, la caméra passait sur les commentateurs parce qu'ils n'avaient pas les droits à l'image de Keno. Je sais plus, je suis bon, bref. Bon, je sais plus. Mais mais en tout cas voilà, donc on a donc la Delmal des Rapones qui sont là euh, et donc il y a ce Minorita. Alors, qui est ce mec ah, donc il bah, faut d'abord les l'histoire du clan de Gold Class. Ouais. Donc, en fait, donc, quand Mascara implose et que Ishida et Ita se font une de euh, Ready, Narokidoi cherche à faire un nouveau clan. Donc, on pense qu'à la base que c'est Takashiyoshita qui rejoint parce qu'il fait équipe avec Narokidoi pendant un certain temps. Je crois d'ailleurs qu'il est champion qui avec lui. Je mm. fais des bêtises, peut -être. Et ensuite, euh, donc euh, nous cherche à faire un nouveau clan. Et là, donc tu as une, euh, donc uh, Minora et Gila qui se ramène à leur tour et qui euh, okay, dit, euh, bah, voilà, on, on, on a un nouveau clan. Donc ça s'appelle donc Good Class. Une ouais. semaine après, on a euh, on a un mec qui se ramène avec une, une tenue de mascarade, donc genre euh, la veste et le, la, le masque. qui retire son masque en fait. Bah, c'est donc euh, donc euh, Takumi Ayakawa, donc euh, qui est aussi un, un jeune Gate de, 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 qui fait partie de la génération où tu as donc, justement euh, Takuma Fujiwara, etc. Ok. Et donc là, on, ils ont dit, euh, c'est marrant, il ressemble à Quota Minor, donc on va l'appeler Minorita. On sait donc c'est donc le mini moi de ouais. Minora. Et il est ça vraiment. Se aussi, hein. ouais. Ça se fait souvent au Mexique aussi. Ça se fait souvent au Mexique. Effectivement. Et il est vraiment tout petit. Hein. Ouais. Il est bon aussi, hein, Minorita. Est... Bah... Bon. Du peu que je l'ai vu faire, il était très rapide, très bon. Hein. C'est clair, mmh. clair. Et, et le truc, c'est ça, c'est que euh, quand ils sont présentés, God Class, ils sont présentés avec Minorita. Oui, et euh, il le est il... sur la photo. tu Il est roi et c'est ouais. la ceinture en fait, ensemble, parce qu'il compte comme quand j un catcheur quoi. Ouais, c'est ça. Alors, au début, quand on nous a présenté le clan, j'ai eu très peur qu'en fait euh, qu'on qu baisse un peu les règles et que du coup euh, ça fasse des, des, des matchs handicap. En fait, non. Ouais, non, non. Il, il est en tant que manager, mais bon, il participe. Ouais, en ouais, peu par par part parfois, de... il catch aussi en solo. C'est bien en fait le point de départ de la story. C'est ça, c'est ça. Rapidement, si tu peux faire un résumé. Oui donc en fait donc on, a, on annonce un match surprise donc un match incontu avec Minorita contre un, alors, un mystère donc, qui se révèle être, euh, être donc, un, un mec masqué ouais. voilà donc il arrive et donc, le match commence c'est donc la gimmick, je pense que tu vas en parler justement de ouais. Minorita c'est qu'en fait bah, il court il court autour du ring en fait autour du ring Pendant ce match contre cet adversaire euh, inconnu il se bat en fait en coulisses mm. euh, du Cora Quinol il revient on le voit, on le voit revenir. En fait, il y a un mec qui, qui, qui vient des rideaux, en fait, habillé comme aussi euh, la, la, son adversaire de Minorita. Il se rebarre de l'autre côté de, de, de parce que quand ouais. il, savoir, il, y a, il y a deux entrées, il y a deux, 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 deux rideaux, quoi. enfin il, il sort de l'autre rideau, de, de, de rideau, en fait, il rentre en courant parce qu'il y a un, encore un autre mec qui arrive. Il rentre dans le ring et donc euh, le mec donc, il affronte. Donc alors, je sais plus comment il s'appelle, Black Warrior, un mec comme ça. Euh, il le tabasse, il lui fait un, un coup d'avant-bras sur le bide, mm. on connaît un peu cette prise aussi, enfin ce, ce coup, et il lui fait ensuite donc, un final Destiny, qui mm. est la prise de finition de, de Kotaro et Shino. Et donc bah, les mecs bah, du coup, se démasquent et on se rend compte en fait bah, derrière, derrière ça c'était Eita, ouais. on savoir on gagne Kotaro Suzuki. Ok, ok. Et donc, et donc du coup on se retrouve avec ce match-là. C'est ça, exactement. Au okay. début, fin, parce que bon, du coup, comme, comme je l'avais dit, Du coup il euh, y a une. Euh, relation entre Dragon Gate et Noah, je pensais que ça faisait partie de la relation en fait non euh, de Sawai et Kotaro en fait rejoignaient Dragon Gate. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que euh, parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que quand j'ai vu le show, euh, j'étais pas au courant que Sawai et Kotaro en fait avaient quitté Dragon Gate et Noah en fait. sûr. Su... Euh... Après le show, ouais. après le show. Ouais ouais. Mmh. Effectivement. Moi moi quand j'ai vu ça, je le savais par exemple. <laughs> donc, je me doutais un peu du résultat, entre guillemets. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Euh, donc, au début du combat, comme tu as dit, il y a Minorita qui court. Lui, mmh. il trace. Et euh, il trace dans une salle qui est, qui est grande, à l'habitude de d'habitude. Si je peux dire ouais. ça comme ça, ouais. <laughs> à l'habitude de d'habitude. Et donc, il, il trace. Et Nozawa essaye de le suivre. Mais bon, Nozawa, hein, il, il a un peu du mal à courir. Et donc, du coup, mmh. bon. euh, derrière, rapidement, on rouvre la blessure de la tête de Eita. Euh, parce que Aita il a une, une blessure euh, depuis très longtemps, enfin depuis très longtemps, mm. depuis trois semaines, un mois, euh, suite à la, à la, à la rivalité qu'il a eue avec Ayata. Euh, pour le titre mm. JHI Junior hein, qu'on en a parlé la semaine dernière euh, et euh, qui lui a, a, du coup l'a amené au match euh, en main event euh, pour, pour le titre JHI Junior qu'on Ayata mm. match qu'il avait perdu et dans cette storyline là Ayata s'était acharné sur la tête de Ayata euh, au point de l'ouvrir le crâne et tout ça et tout la hit, toute la domination de Ayata a été faite là dessus et donc le premier truc que fait Gold Class c'est s'attaquer à la tête de Ayata et ils ont raison dans un sens hein, ils en profitent euh, de la, de la faiblesse de, de leur adversaire. Euh, Los Perros del Mal arrive euh, à revenir et je trouve dans le combat ils ont un peu le, la position de face, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. Parce que Goklas c'est plutôt un camp winner en vrai. Ouais. Parce que Ishida c'est quand même un, un mec qui se tape énormément quoi sur, la, ouais. sur, sur, sur le réseau euh, après le match justement parce que t'as pas dit le résultat encore. Ouais. Bon, Vas-y, 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 vas-y. d'accord. Après le résultat, donc après donc, euh, que Goklas s'est perdu la titres du coup. Il dit qu'en fait que dans le clan il y a un maillon faible et qu'on saura bientôt qui c'est en fait. On dira, machin etc. Il commence un peu à se même péter même dans qui c'est quelqu'un qui se qui s'appelle énormément aussi même en face. C'est plutôt un clan qui très aussi du coup le clan. Ouais totalement. Il y des là qui intervient dans les matchs Ouais et c'est ça parce que l'espérance d'Elmal au final même comme des face ouais. même chez Noah je suis en train de réfléchir ils étaient contre Stinger qui était plus ou moins ill quand même donc c'est pareil c'est un peu bon. Euh, J'ai noté que Doi vit tellement pas aussi, je trouve. C'est fou, hein, Doi. Suivons euh... pas. <laughs> euh, Gold Class enchaîne les gros moves en équipe et Eita kick, kick out sur, tout, sur le finish de Minura ou une grosse prise. Et je je crois que c'est sur le finish euh, parce que ou en tout cas une grosse prise de Minura euh, parce que il y a Oulun, je crois qui dit que c'est le seul mec qui arrive à kick out de cette prise là. Mmh. Et euh, je sais plus qu'est-ce que c'est exactement comme prise. Mais, euh, mais en tout cas voilà c'est une grosse prise de, de enfin c'est ce qui a été dit par les commentateurs. On a une Tiger Souplex mais Suzuki arrive euh, Les moves s'enchaînent parfaitement le rim est très bon On a Doy versus Nozawa en un contre un qui est plutôt pas mal J'étais à point ouais. Je me dis putain Doy Nozawa Et au final Nozawa ça... qui se sent les doigts ouais. Et qui catch Mais tu vois ça fait 2-3 ans que je le connais C'est la première fois Que je le vois aussi bon quoi <laughs> en vrai, à la Glade contre Kazayashi, c'était pas mal aussi. Hein. Pas mal aussi, ouais. Stonehead, trois ouais. hein. et demi, mais c'était oui, bien. Échange en... oui, ouais, ouais, ouais. de coups. On a un super kick de Aita et roll up pour la victoire de Los Perros del Mal en fin de combat. J'ai mis 4 C'était vraiment un, un, bon, un, un, très bon, un, ouais. un bon, un très bon six man. J'étais impressionné par nous avoir Awarong qui a été, en tout cas, oui. à sa place. Euh, Aita, il est, il est, il, est, il, est, il, est il, a, il a un charisme de fou quand même. Aita, je trouve. Euh, puis là, le avec le, le, le sang et tout ça, enfin, ça, ça rend bien hein. mm. euh, Donc non, c'était vraiment cool. Et je sais que Kota c'est un peu ton, ton, pour toi le, la future grosse star de Dragon Gate. Ouais, ouais. Donc on voit que enfin, c'est vraiment... Ça se ressent. Il a un charisme de fou. Hein. Ouais. Très jeune aussi. 23 ans, 24 ouais ans Ouais, c'est fou. Hein. Ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes. Alors, ouais. pour ce show-là, en main event, c'était plutôt les anciens. Mais ils ont plein de jeunes ouais. qui mm. attendent derrière. Et euh, j'imagine que le King of Gate va, va donner la place aux jeunes. Car oui. Bon. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais un très bon match. Euh, je sais pas si tu as un truc à rajouter. Euh, non, justement, alors j'étais assez surpris de voir justement les Péros et le Mal travailler en face, en un match. Ouais. Et du coup, ouais, c'est excellent. Enfin, alors je suis très content de voir Kotaro à, à la Dragon Gate, parce que c'est un catch vraiment ce que, que je trouve que j'ai trouvé sous-utilisé à la Noah. Ouais. Et là, à la Dragon Gate, euh, j'espère je, le voir faire un bon run en fait. Moi j'avais aimé euh, Suzuki, je l'avais adoré au, au, au N1 Victory l'année dernière. Mm. Je trouve qu'il avait fait un bon tournoi. Mais c'est vrai que je suis plutôt intéressé par ce qu'il va faire hein, chez Dragon Gate. Euh, donc voilà. Et le main event, Kai Konsusumu Yokosuka. Euh, Est-ce que tu peux faire un petit résumé de, de l'histoire? Bah l'histoire est simple, en fait en Kai bat tout le monde, il a battu. Enfin, il a battu, il a battu... Il a battu Shimitsu pour le titre dans un excellent match, il a battu aussi Yoshida pour le titre aussi dans un excellent match. Mmh. Alors, il a eu aussi peut-être un autre match, mais je ne sais plus contre qui. Euh, je ne sais plus. Et donc là, donc il affronte Sousou Donc donc euh, le challenge Et en fait, euh, il accepte à une seule condition, c'est que si Susumu perd, il doit quitter Natural hein, en fait et se euh, rename ouais. son vrai nom en fait, son nom euh, originel donc, qui est Susumu Mochizuki. Ok. Rien à voir avec avec avec, avec Masaki uh, de mmh. Mmh. Il n'y a pas de lien de parenté. Ouais. Et, et donc, ouais, donc Kai euh, qui est le leader de Zibrat il est présenté comme ça, ouais, ok. Et euh, Susumu Yokosuka qui est euh, le, le leader de Natural Vibes ou pas Je dirais plutôt que c'est Kiriboshi le leader Ok. Vrai, ouais. Natural Vibes. ouais. Je pensais aussi, mais en tout cas, voilà, c'était un mec, c'est un mec important. Hein, Susumu, moi, attends, il a été chez, chez All Japan à un moment, non Ouais, il a été ouais, chez All ouais, Japan, ouais, c'est ça, c'est ça, pour bon, ça, je, dis, je le connais, mais je savais plus si c'était chez All Japan mm. ou chez Noël, je l'avais vu. Euh, mais ok, bon, donc en tout cas on avait tout pour faire un, un gros main, main event clairement mmh. Et là on, alors à la différence d'un Dragon Dia qu'on a ce Bikento où ça va à 2000 à l'heure ah, ouais. Là c'est posé Mais c'est très intelligent comme combat Très très intelligent C'est ça qui est intéressant avec Dragon Gate c'est qu'on peut s'attendre peut-être à, à des matchs qui partent un peu dans tous les sens et tout ça Mais quand ils sont capables de faire enfin, quand ils sont là en main event ils prennent leur temps et il y a beaucoup, beaucoup Ça fait de... du strong style, ouais. Comme, ouais, comme dans ce là quoi. C'est ça, il y a du strong, il y a du storytelling qui est très cool. Et, et franchement, voilà, c'est un, vraiment un très bon match. Euh, le match commence directement avec une lariat de Susumu et un Summersault Plancha euh, sur tous Zibrat et Et euh, il amène son adversaire sur la rampe. On a une Exploder Souplex sur la rampe de Susumu. Donc, euh, Susumu très agressif euh, au début de, de ce combat. Après une domination de Susumu, Kai prend l'avantage en esquivant l'ariat de Susumu qui finit dans le poteau. Euh, Zibrat intervient et Kai met un coup de chaise sur le bras. Et donc on a une domination de Kai sur le bras de, de Susumu. Euh, Kai nous fait même une Yuji Nagata en portant une Fujiwara Bar avec les yeux euh, un peu révoltés. <laughs> là, et et c'était plutôt drôle. Euh, mais c'est les cordes pour Susumu. Retour de Susumu en portant un knee breaker et en attaquant les jambes. Et donc on a des échanges de prise bien intenses On a une Dragon Screw de Susumu Donc vous avez compris le principe où Susumu lui attaque les jambes Et Kai lui c'est plutôt le bras de, 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 de Susumu On a un sprint final bien cool avec des échanges de prise euh, Vraiment où ça va un peu dans tous les sens etc etc Toujours en, en, en pensant à attaquer soit le bras pour, euh, pour Kai qui attaque le bras de Susumu Soit la jambe de, de Kai pour Susumu euh, et à la fin, c'est une victoire de Kai, euh, je sais plus comment exactement, je ne l'ai pas noté. Euh, bah avec son, son finish. Ok. Le Meteor Impacto, je crois. Okay. Impact. Ok, ok. Et donc, victoire de Kai qui garde son titre, mais un très très bon main event. Euh, ouais. Franchement... ouais. D'ailleurs, à, à la fin du match, il y a un immense storytelling, c'est qu'il casse un colis, en fait, et le colis appartenait à Kenes, qui a pris sa retraite, en fait, et qui était un grand ami de... de parce qu'ils ont une ils ont fait qui pendant très longtemps en fait une équipe assez culte de, de okay. Dragon Gate en fait. Ok ok donc euh, ouais c'est Kai qui détruit le colis hein. Ouais Ouais ok et donc c'est ça qui énerve Susumu à la fin non C'est ça mmh. Ouais mmh. ok ok Et après enfin, il... il se relève à 1 justement après Ouais c'est ça c'est ça Mais de d'énervement de... il sent plus la douleur mmh. entre guillemets quoi donc euh... Donc euh, non c'était vraiment très très bon j'ai mis 4-25 euh, Totalement un style totalement différent du Dragon Dia Dragon euh, SB Kento mais euh, voilà c'est le main event et ça prend son temps et, et clairement c'est très bien quoi. donc euh, donc voilà je sais pas si as un truc à dire sur, sur le euh, Kai est très bon en en vrai. enfin en, en, ouais. en, en catcheur quoi c'est ah. un bon catcheur hein. très imposant aussi je trouve, ouais ça. mais en fait il est, est un junior aussi en fait un hein, ouais. ouais. mmh. c'est un junior aussi mais ouais enfin excellent bon, Sosumu bon, euh, comme j'ai dit l'autre fois un, un mauvais match de Sosumu ça n'existe pas ouais <laughs> le mmh. mec que, ne fait que des bons matchs donc euh, du coup euh, bah, là aussi et ouais, c'était vraiment très bon, très bon storytelling. Ouais, c'était excellent. Ouais, effectivement. Et donc, à la fin du combat, où généralement c'est le gagnant qui est sur le ring et tout ça. Mais là, c'est un moment important parce que Susumu, comme tu l'as dit tout à l'heure, doit changer de nom. Mais surtout, quitter Natural Vibes. Et donc, on a une longue promo. On a. Ouais, c'est ça, où tout le monde pleure. On a Casey, c'est Casey, c'est ça. J'ai plus de nom. Euh, ouais Casey qui pleure Et tout ça euh, ouais. Je sais pas si t'as Un résumé de tout ça Mais en gros c'est Bah à la fin on Nous annonçons car... Enfin Genki annonce Clairement que lui aussi Quitte Natural Vibes du coup Ok d'accord Donc c'est encore plus lourd Quoi comme qu truc Ouais Donc ça sent la fin De Natural Vibes Tu penses ah Non pas du tout, pas du tout Ça continue, ça continue. Euh, Casey devient leader justement. Ok ok. Et donc Genki euh, Origuchi Donc quitte Natural Vibes Ouais et du coup Il fait équipe avec Susumu du coup maintenant Ok Il reste en équipe Tous les deux Il reste en équipe Ok ok mais du coup, euh, c'est Casey qui est leader de Natural Web. Ouais. On pourra s'attendre sûrement à des nouveaux membres très bientôt. Bah Ils sont 5 ils sont déjà. Ouais, ils sont déjà 5. T'as raison. <laughs> c'est vrai qu'ils s'étaient plein. Il, ouais. il y a beaucoup de jeunes hein, dedans. Ouais, il y a, ouais. a Yuti, il a 26 ans. Kim euh, ouais. il a 28 ans, je crois. Il Jackie il a 22 ans. Euh, ouais. Jason, oui, il a 26, 26 ans, je crois. Ouais. 27 ans. Ouais, ouais. Et à la fin, ça finit le show avec tout le monde qui danse. C'est pas euh... de, ouais, la petite danse. Voilà. 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 Mais ça finit un bon gros show de Dragon Gate hein. vraiment très ouais. plaisant ouais, du ouais. début à la fin. Euh, clairement si vous avez jamais vu Dragon Gate, digeste. Ouais, très digeste et puis en plus de ça avec des très bons matchs, le match à voir c'est le SB Kento Dragon Dia. mais euh, clairement les les l'opener et tous les matchs pour des titres sont très très plaisants en fait. Oui. Donc euh, donc voilà. je euh, je sais pas si c'était un truc à un résumé à faire sur le show ou euh, non mais c'était excellent, enfin, c'est exactement à quoi je m'attendais, c'était voilà, un très bon show. Okay. Ah, et puis bon, euh, le prochain adversaire de Kai, bon, bah, euh, le gagnant du King of Gate, alors je pense que ça va être Casey du, du, du King of Gate du coup. Ok. Je pense que c'est vraiment euh, Casey Time, que, que, comme on dit euh, chez les fans de Dragon Gate. Ok. Donc tu penses qu'il fera un back-to-back -back, alors Ouais je pense que oui. Ok, ok. Mais on va parler de la première journée du King of Gate qui a eu lieu quand Ouais. Euh, ce matin. Ce matin, ok. Donc là, on est dans du frais, frais, frais. Donc vous, vous voyez le, ouais. jeu, le jeudi, mais mais euh, mais du coup, j'ai pas fait par contre, tant de, de de play by play par contre, Non, 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 non. pas, non, non, fais pas ça. C'est moi qui fais. Okay. Oui, T'inquiète pas. Il y a pas de problème. Si tu, tu dis ton avis, euh, t'as pas besoin de faire de play by play si t'as pas envie de le faire. Il y a pas de problème. Ok. Ok. Euh, mais euh, mais du coup, euh, c'était quoi les les affiches de... Donc déjà rapidement. Qu'est-ce que c'est le King of Gate Parce que King of Gate, donc c'est le donc c'est on va dire le G-1 Climax de, de Dragon Gate. Donc d'habitude c'est ça, ça se fait en bloc, à savoir que normalement il y a quatre blocs. Ouais. Quatre blocs avec avec à la fin donc une, une, une fin de demi finales en fait une finale enfin. Sauf que là donc euh, comme ça a été fait en 2020 du coup là on a un tournoi en, en, en round. Mm. Comme une New Japan Cup. Oui un peu oui. Mm. Sorte, oui. Mm. Mais un truc aussi à dire c'est que le G1 Climax a déjà été aussi... Euh, même euh, quand ça s'appelait D1 Climax ça a déjà été comme ça aussi en, en match à... ouais en round, euh, ça dé c'est déjà arrivé euh, je sais plus je crois que quand Kedimoto le gagne je crois que c'est en round. Je crois. enfin un des un qui gagne je crois que c'est je sais plus je vais te retrouver ça ou, ou non ou non non non, non, non je confonds c'est le champion carnival qui a été comme ça d'accord je crois enfin bon un des deux <laughs> euh, mais je crois que je crois que c'est quand... Ouais c'est ça en fait j'ai confondu Mais je crois que c'est le champion de carnaval que euh, Kentako Bashi gagne Je crois que c'est ça Je crois que c'est ça 2000... De... Bah non, bah non, bah non, 2000... Non, c'est Kedimuto qui gagne le Carnival, comme ça je crois. Oh je sais plus bref Mais je crois que <laughs> Kedimuto là on a de, de, gagné plusieurs hein. oh, je sais plus. yeah. oh je sais plus Je vais aller voir, je vais aller voir Mais vas-y continue Ouais non parce que je voulais dire en fait voilà, ouais. c'est que donc comme en 2020 là on a en tournant en round mm. avec donc beaucoup de des catcheurs de, de vraiment de, tout, de toute génération donc des jeunes débuts. Voilà. Ok, ok. Euh, alors attends, je suis en train de regarder mais en fait je crois que je confonds. Euh, parce que ouais il y avait le le, le titre pour euh, couronner le premier triple crown champion mais c'était pas ça. Euh, champion de carnival. Kejimuto 2002 et je crois que c'est ça. C'est ça. Non, 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 c'est en bloc. Tu vois, je, je je sais je sais plus. Enfin bref, faudra vérifier, mais euh, okay. je sais que c'était arrivé une fois en tout cas. Eh ben voilà, c'est ça, je l'ai. C'est le euh, c'est le Carnival 2001. Et c'est Ténéru qui avait okay. gagné euh, en 2001. D'accord. En 2001. Ténerue. <laughs> okay. En 2001, Ténru. <laughs> Bizarre, mais bon, <laughs> comme quoi les vieux étaient déjà là en 2001. <laughs> oui, D'ailleurs, très bon booker hein, pour Tanyu euh, Project. C'est vraiment très bien le, le ouais. retour. Tout. Ok, ok. Euh, D'ailleurs, euh, euh, Karawik a... enfin, lui, je dis, je pense je sais pas pourquoi je pense à ça, mais lui, il avait bossé à la Tiger Wrestling là, euh, de Tiger Mask. Euh, de, du premier Tiger Mask, la Tiger euh, Real, euh, Real Tiger, euh, je sais pas quoi là, la promotion. Je connais pas du tout. Tu connais pas nom euh... Oh, le ah, nom peut-être pas... que le nom euh, enfin, si tu me dis le nom de la promotion peut-être que je euh, c'est mais... la promotion de Tiger Mask 1. <laughs> Saitama. Euh riel je vais taper. c'est quoi déjà son nom euh, Eddie, euh... c'est Midicar oui, c'est ça. Eddie Caraoui, ouais. Il a C'est attends, je vais te retrouver ça. Ah là, euh... putain. En plus, il me l'a dit. Tu vois, il viens de voir aussi. Il, il a bossé à la Toriumon Mexico, tiens mais lui. A... Ouais, c'est la promotion euh, de, de Timo Dragon. Ouais, ouais. Mais de toute façon, il a bossé partout. Hein. Alors, Japon, Japon, Japon. Euh... La ah, Réelle. Riel... Ouais, 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 beaucoup Mexique, mais c'est. Assez... Alors, c'est. Est-ce que est c'est -ce le Japon, non la quoi tu euh, dis C'est ça, c'est ça, c'est ça. La ouais. pas, oui, je connais, oui, c'est ça, c'est ça, ça. Je connais, je connais, je oui. connais. Ouais, ouais. Et c'est la promotion de du premier Tiger Mask. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Ouais. ouais. Tout à fait. Donc voilà, bon, je, je pense à ça, rien à voir avec Tenryu, mais je pense à ça. Euh, mais voilà. Bref, du coup, il y avait. D'ailleurs, là-bas, il y a le, il y a la Queen Tiger, je crois. Il y a une, une, une Tiger Mask version féminine, et c'est Asuka en fait. Euh... Ok. D'accord. Aska, pas la de WWE, on précise. Non, évidemment, la Aska euh, <laughs> japonaise. Exactement. Okay, okay. Enfin, japonaise. Elle japonais est japonaise aussi, c'est WWE. Oui, oui, oui. Non, mais qui enfin, le Japon. <laughs> exactement, exactement. Bon, Vini, quoi. Ouais, c'est ça, Vini. Pour revenir euh, au King of Gate, euh, du coup, il y avait 4 matchs ce matin euh, Ouais, enfin, 4 matchs euh, de, de, de tournoi. Parce qu'il y avait aussi que c'est comme Ouais, ouais, ouais. 4 matchs du premier tour. Alors, attends, euh... je sais pas. Alors, trop, je me suis peut-être trompé alors. 1, 2, 3, non, je crois qu'il y avait 4 hein. quatre, oui 4 quatre, 4 ouais. ouais. matchs ouais. ok euh, est-ce que tu peux du coup euh... qu'est-ce qu'il y avait c'était quoi les, les matchs parce que j'ai pas la liste devant les yeux euh, alors donc il euh, donc, y avait donc il y avait SB Kento contre qui Madure... Kikuta ok Shunsky contre Eita ok Yamato contre Yuki ok et Kai contre Shuji Kondo ouais donc il y avait une grosse journée quand même pour le vrai. Euh, bah vas-y, dis, dis les résultats. Et puis c'était si un mot à dire sur chaque euh, match, du euh, coup. Euh, op non, Opener. Ouais, il est aussi disponible sur YouTube celui-là. Ok. contre Kikuta, justement. Ah, il est sur YouTube. Okay. Il est sur YouTube. Ok. Un match qui a duré à 7 minutes 43. Ah, très court. Parce qu'il faut savoir que... Alors, Kimoguet, en fait, il y, a, il y a à chaque fois Un limite de temps de 20 minutes. En fait, ok. Le match. Donc c'était un match assez court, quand même. Ouais. Donc c'est Kikuta qui gagne. Okay. Il élimine Sweekendo. Ok. Avec bon, sa Rolling Lariat. Le brodili ok. Donc, c'est un match assez plaisant, ouais. un petit un, un petit trois Ouais, ok. C'est vrai que c'est dommage. On aurait espéré un peu plus long, quoi. Mais bon, c'est le format qui fait ça. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage de pas voir faire ouais. ça en bloc. Euh, ouais. ouais, bah, bah, bah après, enfin, euh, sauf que l'an dernier, ça a causé pas mal de bazar le fait que ça soit en, 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 en bloc. C'est parce que euh, Naroki Doy, euh, lors de la première journée dans, du, du sud de 2021, avait affronté euh, Benkei. Que le lendemain du match, alors je sais plus si c'est qui a été déclaré positif au Covid, et donc bah du coup ça, ça a éliminé Ben et du tournoi en fait. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est clair. Du coup, fin, le bloc, alors je ne sais plus c'était quel bloc, savoir que les, les blocs sont. Il n'y a personne, donc bah du coup ça se jouait que, que contre deux personnes du coup. Ouais, 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 ça causait euh, beaucoup de bordel. Ouais, c'est clair. Non, mais il y, y a surtout, mais en fait, ils ont pu faire un match en round, mais leur laisser 15 minutes et pas 7, quoi. Tu vois parce que... Ouais, et, et puis des que... matchs voir, euh, qui sont assez courts en fait. Ouais ouais, ouais ouais ouais. ouais mais c'est pas trop étonnant, tu sais, ça me fait penser un peu au carnival dans l'idée. c'est avec mm -hmm. des matchs assez courts et tout ça. Bon, ouais. ok. Mais euh, match à conseiller c'est 7 minutes du coup pour le Oui c'est euh... sympa, ouais. Ah, ouais, ok. Ensuite. Alors dans le show aussi, euh, donc, euh, comme ça je veux dire ça, il y a eu aussi un match, alors, enfin, alors ce que je un peu, c'est que les tags des euh, tags un peu. Ouais ouais, dis que les matchs du tournoi Il y a eu, euh, eu un six man. Ok avec donc Gold Class aussi et à la fin hein, lors la... du match les Péros et le Mal on, sont, 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 sont intervenus en fait ok donc il y avait un autre contest et donc ça a créé un match impromptu donc un petit un petit tag match avec Ronge contre euh, Nozawa enfin, avec Suzuki pardon, entre Doi et Minorita c'était vraiment sympa en plus ok ça a duré genre 4 minutes mais c'était trop sympa c'était vraiment tout super cool et la fuite entre, en, entre Nozawa et Minorita continue en fait les mecs oh. continuent à se secourir après en fait. ok euh, Rongai qui n'est pas dans le King of Gate non pas du tout ok il okay. euh, y avait que Eita et Eita avait son match aujourd'hui. Euh, L'autre oui. match du tournoi, c'était quoi euh, Eita contre Rochon justement, 5h10 okay. minutes. Putain, on peut espérer plus de ce match-là, tu sais. Ouais, mais c'était vraiment très bon. quand Ouais, ouais, non, mais j'imagine bon que c'était très bien. Mais du coup, ça me donne ouais. envie d'aller les rattraper si ça dure 5, mm. entre 10 et, enfin, 5 et 10 minutes. Mm. Ok. Donc, match à conseiller, tu penses ouais, 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 ouais. Un, un, okay. petit, un, un petit 375. Ok. Vraiment très bon. Ok, Mais c est, c est, en 10 minutes. En vrai, ça doit être speed quoi donc c'est intéressant. Ouais, 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 ok, ok. Alors, se... ah, attention, alors je, je pense que tu vas, que tu vas, tu vas souffler un peu. Euh, Kai contre Shuji Kondo, ouais, 39, 39 secondes. Ouais, j'ai vu le résultat de ce Shuji genre. Kondo gagne. Ouais, ouais, 39 secondes. Ok, avec une ariette. Ouais, putain. Donc Kai qui est le champion, on est d'accord. Ouais, qui se fait sortir au premier tour par Kondo en 32 secondes. Ouais. Et comment ça se fait T'expliques, il y a une explication là-dessus alors, euh, je t'avoue que c'est passé assez vite, donc bah du coup, j'ai pas fait attention à ce qui s'est passé. <laughs> c'est clean, quoi. C'est clean, ouais. C'est quand même particulier. <laughs> ouais, ouais. On, on parle des idées de. Mais de toute façon, il faut être honnête. Hein, le booking au Japon, c'est particulier. Franchement. Euh, non, parce que ça, c'est quand même. Euh, Kai, tu m'as dit, le mec, il défonce tout le monde. Ouais. Et là, euh, limite, euh, il fallait. Parce que quoi, il y a une intervention Il y a un truc qui fait qu'il est occupé au début ou même pas Je sais plus. Ouais bah c'est pas possible qu'il en clean 13... en 39 secondes quand même. Bah, c'est ton champion c'est ça. Je, ah, aller... ouais, ouais. je vais aller voir ça. Vas-y parle, je vais aller voir si, ça. Si ça se trouve, peut-être que Nozawa savoir a en fait écrit euh... ah, en fait, du cooking je pas. Hein. <laughs> ouais bah peut-être hein, parce que c'est quand même... Euh... Non mais c'est étrange. Ouais, c'est très étrange, étrange. Hein. quand même. Euh, C'était quand C'était le 11-5 c'est ça ouais. ouais. Ok. Ça, ouais. va, ça, ça va, aller, ça va aller regarder le match en, en deux speed. Ah bah ouais, non, non mais je vais, je vais, aller voir parce que ça, ça m'intrigue du coup. Alors il avez... y a, 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 a peut-être une intervention, mais j'ai oublié en fait. Ouais bah ouais non, mais c'est pour ça que je vais aller voir. Hein. C'était le comité le match euh... le Troisième. Dans... C'était le, euh... c'était le septième. Donc le semi final. Ok. Ouais là j'ai le, le match à plusieurs. Là j'ai le match... Euh... Ouais, voilà, voilà, je suis devant. Je suis devant, je regarde. Ça va aller très vite de toute façon. Donc là, il y a les présentations. Les présentations sont plus longues que, que le match en lui-même. Tac, tac. Ça se sert euh, en, en parlant ouais, de... de... Euh, niveau thème thème ouais. ils sont pas trop bien. Ils si, plus si, trop si, bien, quoi. -totalement. Oh, ouais, totalement. Parce que c'est vraiment eux qui les composent eux-mêmes, en fait. Il n'y okay. a, 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 a pas de copyright, en fait. <laughs> ok. Donc là il y, a, il y a le match, il y a Shuji Kondo, d'entrée de jeu il met une l'ariat à, à Kai. Euh, là, là il est dans le coin, je fais du play by play tout en tag, il y a Super Kick de Kai, Enzugiri, German Souplex, ça va mille à 1000 à l'heure d'entrée de jeu. Il, il part dans les cordes, l'Ariat Il part dans les cordes Kondo, Lariat à nouveau, Kai tombe sur la nuque, tombé. 1, 2, dégagement. Ok Derrière, il part dans les cordes. L'ariat, à nouveau, il tombe très très mal, Kai. tombé. 1, 2 et 3. <laughs> Donc c'est clean. C'est clean, c'est clean chez Clean, ouais. Il a détruit le champion en 13 minutes. Ah, alors, je, 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 je sais pas contre qui si Kongo va tomber en sang mais s'il se fait sortir... Euh, genre, euh... Ouais. Non, c'est perturbant quand même. Surtout que Kondo, il, ah, a bon, les... ouais, ouais. il a la tenue de, de Kongo euh, chez nous. Ouais. Donc... Ouais. Euh... Bah, c'est bizarre. C'est quand même un choix de booking, il fallait virer le, le, le champion mais c'est très bizarre. C'est très bizarre. Ouais. Bon, OK. Bon voilà, mais bon, au moins on aura vécu un match en live pendant pour Romania. Exactement. <laughs> <laughs> 39 un match moi euh, dans dans le dans, le, dans, le, dans le du temps <laughs> Ouais, c'est clair, c'est clair, ça c'est clair. Et donc le, le le main event, Yamato contre Yuki, Yuki qui a duré okay. 13 minutes par contre celui-là, okay. Main event euh, très bon. Excellent ouais. match. 4 Ok, match à conseiller du coup. Yoshiaki Yush qui Yoshioka qui, qui bat, Yamato qui l'élimine. Ok, ok. Ouais, donc aussi euh, grosse victoire pour Yoshioka. Ouais, 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 ouais. ouais. Ok. Et euh, du coup, toi, ton, ton favori, donc euh, la prochaine journée, c'est quand euh, Alors je vais essayer de retrouver les dates. Ouais, <laughs> j'avais les dates, attends, je vais te dire ça. Euh, le, le 14. Je... Les... Tu as les matchs euh... Euh, Non, j'ai pas les matchs, mais le 14 c'est pas diffusé, par contre. Euh, on, on aura les matchs, on, on aura les matchs en, en même, je pense. Ok, d'accord. Mais c'est pas en live, je comme... pense. C'est pas en live. Non, c'est pas en live, c'est ouais, pas en live du ça. Tout. Mais après tu as le 15 en live, le 20 en live, le 21 en live, le 22 en live. Après il y a plusieurs journées qui sont pas diffusées en live. Et le 29, le 29 en, il en... y a, il y a deux shows le 29, je pense, ou je sais pas. Ah non, c'est le 29 et c'est 18h, mais c'est prise d'antenne 17h45 euh, sur Dragon Gate Network. Mais enfin, euh, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que je me trompe, euh, je sais pas. Oui. Mais, mais, euh, mais voilà. Mais en tout cas, euh, je... bon, bref. Euh, Shimin pour l'instant, est encore dans le, dans le tournoi. Il s'est pas, été... pas fait sortir hein, parce qu'il est blessé, donc bah, du coup, euh, par -moi, il est encore dedans. Ok. ok. Mais donc, du coup, ouais, pour toi, c'est Casey le, le favori. Casey va gagner, je pense. Ouais. Okay. Je pense que oui. Ok. Sinon, tu avais parié, tu disais Minoura peut-être Peut-être aussi ouais parce que euh, je, je je vois en tout cas faire un, un, un gros tournoi je pense Minouin. OK. OK. OK OK très bien. Bah tu... je crois que Minoir affronte Ishida je crois demain comme ça. OK. Euh... OK OK. Bon bah très bien. Bah comme ça tu viendras nous tenir au courant de, du tournoi. Euh, oui, bien sûr. On, on verra si c'est en fin de tournoi peut-être parce que attends ça ça termine quand ça Le 22 je crois. Bah là je je non, je vois le truc euh, Attends, euh... je vais sur le Twitter de Dragon le 2 juin. 2 juin. Bah, dernière date de juin. Mais je sais pas trop... Non, je pense que c'est... Ah, je crois que quand c'est indiqué, c'est les... Oui, c'est ça, c'est ça en fait. Je crois que c'est le 22 mai. Le 22 mai, la dernière journée. C'est ça. En fait, quand je voyais Dragon Game Network, c'est-à-dire c'est les dates qui sont... Les shows qui sont diffusés, Et les... Oui, c'est C'est les shows en fait. Je vais être schedule. Ouais. C'est ça. Sur le site, on a 14. Il n'y a pas la carte oh, putain. Non mais le, le 14 ça a l'air d'être un out-show, non Je pense que oui hein. oui oui, ça ah c'est ouais, ouais, oui. ouais. Donc euh, la prochaine journée c'est le 15 je pense. Donc euh, donc voilà. Et le 15 c'est le. Après si c'est des matchs courts, euh, en vrai peut-être que je les aurais vus C'est dimanche. Mais bon il y a le Best of Super Junior qui commence aussi donc. Euh, ouais, ouais ça va être chaud. Hein. Ouais. Bon on verra bien. En tout cas on se tiendra au courant. Au pire des cas tu viendras refaire un point en fin de tournoi. Euh, et nous oui, dire euh, s'il y a des plaisir. matchs à, à rattraper mais en tout cas bah merci à toi d'avoir participé à l'émission ouais. et puis tu viendras de temps en temps avec plaisir et puis tu viendras de temps en temps parler de Dragon Gate et peut-être d'autres choses si tu vois d'autres choses parce que c'est ça le truc c'est que comme j'ai toujours envie c'est de parler de plein d'autres choses euh, mais quand on n'a pas le temps de, de regarder d'autres choses et comme toi tu regardes pas mal de trucs donc euh, ça peut aider à l'évolution du podcast donc euh, donc merci à toi et puis bah, nous ouais. on, on va se retrouver donc la semaine prochaine euh, avec les débuts du Best of Super Junior. Il euh, y aura également cette semaine euh, soit elle sera déjà sortie ou je... non, elle ne sera pas déjà sortie. Mais ce week-end en tout cas il y aura euh, la vidéo avec euh, Romain euh, Nania sur les origines du Ressou euh, qui sortira ce week-end. Euh, un super podcast qui parle là clairement des, de, de catch wrestling donc du, du ca des catcheurs qui n'étaient ah, pas le... vraiment des catcheurs. J'ai les autres matchs. Ouais. Si tu veux euh, le 14, donc c'est Yuti contre Kagatora. Ok. Quoi, Dragon contre Kudo. Ok. Il n'y a, a que deux matchs <coughs> Ouais, et le 15, alors je, je, je ferai l'autre, euh, tant qu'on y est. Ouais. Le 15, Jackie Funky Kame contre Yusuke Santamaria, je vais y arriver. Dragon Daya contre Io. Ok. Euh, Ishinyashi contre Takuma Fujiwara. Ok. Estrella contre Stormachinje. Le 15 Ouais. Il y a 5 matchs le 15. Il <laughs> y en a 4. 4. Ok. Le 20 le 21 mai à Sapporo, il y a Kaitushia contre Susumu qui Ok. Uchizuki. Uchi, 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 Uchi. Bibiol contre Naoki Doi. Ok. <laughs> le 21 mai à Sapporo, Jasoni contre Benkei, Ok. <coughs> et Dragon Kick contre Diamante. Ok. Le 22 mai Sapporo, enfin. Big Bot Shimitsu contre Takashi Ushida. Et enfin, Casey contre Kota Minora. Ouais, c'est ça. Et puis la, la finale, c'est quand euh, je sais pas. <laughs> bah ouais, ça ça doit être ça, ça doit être le 6 euh, le, le, le 29 je pense. Le 29 c'est au courant Ouais. Bah c'est ça alors. Ouais, ouais. Je crois que c'est au là. Enfin, ça sera le, ça sera oui, ça sera le, ça sera peut-être le 2000 euh, le je pense. Ouais, ouais. OK. Bon, en tout cas voilà, ça sera à suivre, ouais, ouais, ouais. On vous tiendra au courant de toute façon mais on essaiera de parler un peu plus de Dragon Gate euh, sur la chaîne des pour En tout cas, merci à toi Ave. Euh, merci merci à, à vous de nous avoir suivis, comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas. Soyez curieux. Oh, un petit soyez curieux, un peu plus de. <laughs> soyez curieux. Ah Allez, voilà, on, 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 on voilà. On regarde cache, voilà, <laughs> collega, au sac à pro, voilà. Allez, Sportiva, sportiva, sportiva c'est très bien <laughs> Sportiva. Allez, salut, ciao, bonne soirée, à très bientôt.